Merci d'être venu ce soir pour assister à la première conférence d'une série de deux que je vous propose de faire sur l'Union européenne. Donc, je suis Valérie Bugot, j'ai une formation de juriste, j'ai un troisième cycle de finances publiques et fiscalité à l'Université Paris 2 et ensuite j'ai eu un doctorat à l'Université Paris 1 de droit. J'ai le diplôme d'avocat, j'ai cessé mon exercice professionnel, j'ai continué à écrire pas mal d'articles sur Internet et j'ai en 2011 adhéré à l'UPR pour diriger la campagne des dernières élections européennes. Voilà. Et à l'occasion de toutes ces expériences, je me suis rendu compte que l'Union européenne, qui fait partie, qui a plus d'incidence et de pouvoir sur la vie des gens que n'importe quel gouvernement qui peut être élu, était d'une façon générale très méconnue des citoyens et des contribuables. Et je me suis dit qu'il était important d'essayer de diffuser une forme d'instruction générale aux citoyens qui leur permettrait de comprendre un peu le monde économique, juridique et politique dans lequel ils évoluent, qui détermine directement l'orientation de leur vie sans que les gens en aient vraiment conscience. Donc j'ai commencé à faire quelques petites conférences avec Sylvain, qui avait organisé qui a trouvé des salles, des choses comme ça. Et puis je pense que c'est intéressant de continuer dans cette démarche d'instruction. Alors, vous savez que très récemment, Jean-Claude Juncker s'est fait remarquer, puisque Jean-Claude Juncker, qui est président de la Commission européenne, s'est fait remarquer de façon médiatique et négative, mais en disant qu'il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Alors pourquoi a-t-il dit ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Comment en est-on arrivé là? C'est ce que je vous propose de vérifier dans les prochaines minutes. Donc effectivement, un changement de politique dans un État, d'après M. Juncker, ne changera pas la politique européenne, qui continuera sur sa droite ligne. Alors, je vous propose une petite rétrospective historique de la construction européenne. Alors, les grandes étapes géographiques et les grandes étapes théoriques. Tout commence en 1957 avec le traité de Rome et les États fondateurs qui sont la France, l'Allemagne et le Benelux. Ensuite, on a 1973, 1981, 1986, 95, 2004, 2007, 2013 pour arriver aujourd'hui à 28 États membres, dont vous voyez une partie se situe dans les anciens territoires d'Europe de l'Est, donc qui étaient dans le giron soviétique. En 1992, je vous fais une petite rétrospective des plus grandes des dates qui ont vraiment changé la structure profonde de cette construction européenne. Donc en 1992, on a vraiment une bifurcation avec le traité de Maastricht. En 1999, la création de l'euro. En 2005, on a le rejet de la Constitution européenne par le référendum français. Et en 2008, nous avons le traité de Lisbonne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne comprend rien à l'Union européenne et aux institutions européennes si on ne sait pas que les traités européens sont deux choses. C'est à la fois une constitution et un programme politique. Je vous propose dans la conférence d'aujourd'hui d'analyser l'aspect constitution. La conférence de la semaine dernière sera plutôt consacrée à l'aspect programme politique contenu dans les traités. Alors, en introduction, pour bien comprendre ce qu'est une constitution et pour bien comprendre le rôle qu'elle joue dans un pays et dans des institutions politiques, eh bien, il faut savoir que le pouvoir politique... Dans ce qu'on a connu en République, le pouvoir politique était encadré par une constitution qui gère les relations entre les différentes institutions, qui organise les différentes institutions et leurs interactions dans un souci d'équilibre des pouvoirs et d'indépendance de chacun des pouvoirs, d'indépendance relative, mais quand même. La Ve République, évidemment, tout le monde sait, avait une prééminence du pouvoir exécutif sur tous les autres pouvoirs, mais néanmoins, ce pouvoir exécutif restait... responsable, il restait redevable envers le peuple et envers la justice. Le président, vous savez, était élu depuis la réforme de 1962 voulu par Charles de Gaulle. Le président de la République est élu au suffrage universel direct
Et il était responsable devant la Haute Cour de justice pour les actes de haute trahison. Ça, c'est la Ve République, la Constitution de la Ve République de 1958. Quant au gouvernement, il était responsable devant les assemblées parlementaires, puisqu'il devait demander l'autorisation pour certains actes, il y avait une motion de censure pouvait être déposée contre lui, et également, il était responsable devant la Haute Cour de justice en cas de complot contre la sûreté de l'État. En Union européenne, le pouvoir politique est à la fois encadré et dirigé par les traités européens, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout à la fois une constitution, mais cette constitution est organisée non pas dans un souci d'équilibre et d'indépendance des pouvoirs, mais dans un souci d'efficience pour la mise en œuvre des traités. Les institutions européennes sont là, toutes les institutions européennes sont là pour mettre pour donner le maximum, la possibilité aux traités de diffuser leur politique interne. Un programme, c'est donc une constitution et un programme politique contraignant et indépassable d'esprit commerçant. La ligne politique de l'Union européenne ne peut pas être modifiée. Elle ne peut être modifiée que par un changement des traités constitutifs. Un changement des traités constitutifs, dans les faits, n'est pas possible parce qu'il faut se mettre d'accord à 28. Les 28 États membres doivent se mettre d'accord sur le changement en question. Et ce changement en question, s'il est consistant, la plupart des États membres sont là pour des raisons différentes, vont adhérer à l'Union européenne pour des raisons différentes. Donc si vous voulez modifier la structure fondamentale de l'orientation politique des traités, certains vont être d'accord et d'autres pas d'accord. Donc c'est un processus autobloquant qui fait qu'il n'a quasiment aucune chance d'être mis en œuvre. Alors, la République, en République, le pouvoir exécutif émane évidemment du peuple, puisque le chef d'État est élu au suffrage universel direct, et pour les chefs d'État qui ne sont pas élus, ils sont toujours les représentants d'un parti qui a gagné, d'une façon ou d'une autre, les élections qui ont précédé. En Union européenne, la mise en œuvre des traités européens est l'univers indépassable, comme je l'ai dit, c'est l'objectif à atteindre de toutes les institutions. Les changements de pouvoir internes aux différents pays n'impliquent aucune modification de politique. Il y a donc en Union européenne une rupture entre le lien de pouvoir sur les peuples et le lien de responsabilité devant les peuples. Alors qu'en République, le pouvoir politique était à la fois responsable devant les gens qui l'avaient élu. Donc il y a un lien entre pouvoir et responsabilité qui a disparu dans les institutions de l'Union européenne. Donc, effectivement, il découle de ce que je viens de vous expliquer que les traités européens ont organisé un transfert massif de souveraineté. Voilà. Le vote n'est plus efficient pour modifier la politique qui sera suivie par l'Europe et qui redescendra ensuite dans les États membres. Fonctionnellement, l'Union européenne ne remplace pas les institutions des différents États, mais elle a vocation, sur le long terme et dans la durée, à s'y substituer parce que par le biais des politiques qui seront appliquées et qui seront véhiculées dans les traités, par le biais des lois qui seront transposées dans les États membres qui viennent de l'application directe des traités, eh bien le fond des traités va faire que les institutions formelles des États membres vont devenir des coquilles vides qui n'auront plus de consistance politique réelle. Je vous propose une conférence donc en trois parties. La première partie, je vous propose d'analyser de plus près les trois pouvoirs que nous avons connus jusqu'à présent, qui sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir non pas judiciaire mais juridictionnel. Je vous expliquerai pourquoi. Et de façon à bien à vous faire cerner les lignes de force politique et les ruptures qui ont eu lieu et en même temps l'orientation du pouvoir politique, qui a perdu, qui a gagné dans ces évolutions, je vous propose de faire un petit comparatif entre ce qu'on a connu sous la Ve République et ce qu'on a connu en République en général par rapport aux institutions formelles de l'Union européenne. La deuxième partie sera consacrée aux institutions que j'appelle fédéralistes, qui sont des institutions fédéralistes et qui sont des institutions propres à l'Union européenne, qui ne concerne pas les trois pouvoirs principaux, exécutif, législatif et juridictionnel. Ces deux choses sont concernées, l'organisation territoriale en région et deuxièmement le pouvoir financier en Union européenne.
La troisième partie propose d'examiner un peu plus en détail les processus décisionnels, qui prend les décisions, comment, pourquoi et dans quelles conditions de procédure en Union européenne. Cette partie, à la fin de cette partie, je ferai un aparté qui, je pense, intéressera certaines personnes, puisque je décrirai un peu plus en détail ce qui se passe en matière d'OGM. Alors, le comparatif, on va commencer par la première partie qui propose d'analyser les trois pouvoirs traditionnels que nous avons connus en République. On va commencer par le pouvoir exécutif. Vous avez un exécutif qu'on appelle bicéphale, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif est divisé en deux branches. Vous avez un président de la République élu au suffrage universel qui donne les grandes orientations de la politique qui sera suivie par le pays. Et ces grandes orientations sont mises en œuvre par le gouvernement, qui est un organe collégial et qui a pour fonction donc de mettre en musique, si je puis dire, les orientations décidées par le président de la République. Ce gouvernement a l'initiative des lois en concurrence avec le pouvoir législatif. Et ce gouvernement, sous la Ve République, préparait le budget. Donc il avait un rôle très important. Alors en Union européenne, les choses s'accélèrent. Vous avez toujours un exécutif qu'on peut appeler bicéphale, puisque vous avez d'une part le Conseil européen, donc qui réunit les chefs d'État des 28 États membres, qui donne effectivement les grandes orientations. C'est lui qui décide des grandes orientations, des modifications éventuelles des traités européens, qui donne le « là » pour tout le monde. Et vous avez chargé de la mise en application de ces grandes décisions, la Commission européenne que tout le monde connaît, qui est composée de 28 commissaires, chacun étant... il ne marche pas. Bon, enfin, la Commission européenne est chef d'orchestre des institutions européennes. C'est vraiment elle qui centralise toutes les interactions entre les différentes institutions européennes. Elle est donc le maître d'œuvre de l'application des traités. Elle a l'exclusivité de l'initiative des lois. Alors que vous avez vu qu'en République, l'initiative des lois, le gouvernement avait l'initiative des lois, on appelle ça un projet de loi, quand c'est lui qui propose une loi, mais le Parlement a aussi l'initiative des lois, ça sous forme de proposition de loi. Alors qu'en Union européenne, le Parlement n'a plus l'initiative des lois qui revient exclusivement à la Commission européenne. La Commission européenne négocie les traités internationaux, elle propose le budget de l'UE et encadre de façon stricte les budgets nationaux. Donc la Commission européenne a un rôle et un pouvoir très important dans le cadre européen. Il faut savoir aussi que le Conseil européen doit voter au consensus, à l'unanimité. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si on veut modifier quelque chose de fondamental dans l'orientation politique des traités, les 28 États doivent être d'accord. Alors, je voulais juste préciser une petite chose sur la responsabilité de la Commission, parce qu'on a vu que en République, le Parlement pouvait voter une motion de censure pour faire tomber un gouvernement qui ne conviendrait pas aux représentants du peuple. Alors, la Commission européenne, il existe formellement un processus un peu similaire, puisque vous savez que la nomination de la Commission nécessite l'approbation du Parlement européen. Sauf que ce Parlement n'a pas la possibilité de proposer des gens, donc il adoube plus qu'il ne contrôle vraiment les postulants. D'autre part, le Parlement peut démettre la Commission, mais collectivement. Il n'y a que le président de la Commission qui puisse démettre individuellement un des membres, un des commissaires chargés de telle ou telle affaire. Donc, en réalité, c'est formellement l'idée de la responsabilité devant un Parlement est conservée, mais en réalité, on en a, depuis que ça existe, on n'a jamais vu mis en œuvre. Et la mise en œuvre est difficile, serait vraiment difficile. Alors, si vous le voulez bien, euh,
Alors, concernant, c'est ça, le pouvoir exécutif, les institutions de l'Union européenne ont, formaté plusieurs choses. D'une part, on a une transformation de la démocratie en plutocratie. Ce que j'appelle plutocratie, ce qu'on appelle plutocratie, c'est le gouvernement par des gens qui ont l'argent, en fait. Ça prend la forme de multinationales, mais il y a aussi des capitaux bancaires derrière. Donc la plutocratie que les peuples ne peuvent pas sanctionner, puisque l'application, les décisions politiques qui sont issues des traités ont été rédigées maintenant une fois pour toutes, et les peuples ne peuvent rien dessus. Donc il y a, c'est ce que je vous ai dit, une rupture entre le lieu pouvoir et la responsabilité. Ça a acté le passage de la souveraineté juridique à l'asservissement juridique. Les décisions prises sont bornées par les principes issus des traités. Et ça a acté la fin de la séparation des pouvoirs, puisqu'on a vu que la Commission avait l'exclusivité de l'initiative des lois. Alors, si vous le voulez bien, on va passer au pouvoir législatif. Donc là, vous avez en schéma ce que ça donne. Donc le pouvoir législatif en République, vous avez un Parlement bicaméral, c'est-à-dire doté de deux chambres, une chambre basse qui est l'Assemblée nationale, qui est issue de la représentativité directe, et une chambre haute qui est le Sénat, qui est issu d'une représentativité indirecte. Le Parlement a l'initiative des lois, il vote les lois, il vote le budget et il censure le gouvernement. En Union européenne, le pouvoir législatif est composé de deux éléments. La Commission qui a l'exclusivité de l'initiative des lois et qui édicte certains textes, et le pouvoir législatif en lui-même, qui est composé de la Chambre basse, qui s'appelle le Parlement de l'Union européenne, qui est effectivement élu directement par les citoyens des différents États. Mais donc c'est une représentativité directe, mais non homogène, puisque les États ont tous une culture politique, une culture historique, une culture économique, une culture sociale et juridique différente. Donc se mettre d'accord sur un seul texte n'a pas un sens de légitimité particulièrement fort. Et alors vous avez, en plus, cette chambre ne vote pas l'intégralité des textes, puisqu'on a vu que la Commission en votait certains toute seule, et que certains autres textes sont réservés à l'autre chambre. Donc elle vote le budget de l'Union européenne, elle approuve les membres de la Commission. La deuxième partie, la chambre haute du pouvoir législatif en Union européenne, s'appelle le Conseil. On l'appelle le Conseil, mais il s'appelle le Conseil de l'Union européenne. Il est composé, non pas de membres élus, mais des représentants des gouvernements de tous les États membres, des 28 États membres. Les gouvernements des 28 États membres forment le Conseil de l'Union européenne. Donc il n'y a aucune représentativité populaire. Ce Conseil a plus de prérogatives que le Parlement dont on a parlé précédemment, et il vote des textes en plus. Et il vote, comme le Parlement, le budget de l'Union européenne. Voilà. Alors, si on veut aller de façon synthétique et en faire une comparaison synthétique des changements qui sont intervenus, des changements formels entre la Ve République et l'Union européenne, eh bien, en Ve République, les deux chambres sont issues de la représentation populaire. Qu'elle soit directe ou indirecte, il y a un vote. En Union européenne, une des deux chambres n'est pas du tout issue de la représentation populaire. En République, le Parlement a l'initiative des lois. Les deux chambres ont l'initiative des lois. Et en Union européenne, aucune des deux chambres n'a l'initiative des lois, qui appartient à la Commission, qui est un organe de l'exécutif. Quant au vote des lois, en République, la chambre qui a le plus de représentativité populaire a plus de prérogatives que l'autre, parce que lorsque les deux chambres ne se mettent pas d'accord sur le même texte, c'est l'Assemblée nationale, en dernier recours, qui emporte la décision. Alors que en Union européenne, la chambre qui n'a pas de représentativité populaire a davantage de prérogatives que l'autre. Elle vote plus de textes. Donc voilà. Alors, on ne peut pas parler de pouvoir législatif sans évoquer l'initiative citoyenne qui est censée, les citoyens de l'Union européenne sont censés pouvoir proposer une initiative de loi sur n'importe quel sujet. Alors, cette initiative citoyenne, il faut vraiment en parler parce que elle fait beaucoup de bruit, déjà.
et puis aussi parce que on en a entendu parler très très récemment. Alors, il faut savoir qu'elle est conditionnée, cette initiative citoyenne. Il faut réunir 1 million de citoyens en âge de voter dans au moins 7 États différents, avec un nombre minimal de signataires par État. Mais en plus de ces conditions formelles, la commission... Oui, alors... La commission peut ne pas donner suite à l'initiative proposée par les citoyens parce que le décret, enfin le règlement d'application de cette initiative citoyenne suppose 4 conditions assez restrictives pour que suite soit donnée. Et ces conditions font que, dans les faits, la commission n'est pas tenue de transformer une initiative citoyenne en proposition effective de loi. Par ailleurs, il faut noter que les responsables de l'organisation d'une initiative citoyenne, les organisateurs d'une initiative citoyenne sont responsables des dommages éventuels qu'ils peuvent causer dans l'organisation de cette initiative. Alors ça, c'est pas du tout anodin parce qu'il faut le mettre en parallèle avec 2 choses. La première, c'est l'absence de responsabilité particulière indiquée dans les traités des lobbyistes du fait de leurs activités. Et la deuxième, c'est l'immunité totale qui a été accordée au personnel du MES au moment du vote en 2012 du mécanisme européen de stabilité. Donc c'est là où on voit que certains sont responsables plus que d'autres. Alors en fait, cette initiative citoyenne, eh ben, c'est un leurre parce que il y en a eu deux. Récemment, il y a eu 2 initiatives citoyennes qui ont été rejetées. La première, qui avait réuni 2 millions de personnes et qui a été rejetée par la commission Barroso le dernier jour de son mandat. Et la dernière, la seconde de mobilisation citoyenne massive, qui a réuni 300 organisations de 24 États membres, qui, pour s'opposer au traité de libre-échange actuellement négocié en secret par la commission, a été également rejetée par la commission européenne de Juncker. Qui a mis une fin de non-recevoir. Alors, le pouvoir législatif, c'est les institutions législatives en charge, c'est l'initiative citoyenne, mais c'est aussi le lobbying. Parce que vous savez que Bruxelles, c'est une petite ville, il y a à peu près 30 000 lobbyistes à Bruxelles. Tous les immeubles à 1 km autour de la commission du Parlement et du Conseil sont occupés par des lobbyistes. Voilà. Ça fait à peu près, si on compte environ quelque chose comme 1000 décideurs entre les parlementaires, les commissaires et tout ce qui gravite autour, ça fait à peu près 30 lobbyistes par décideur pour s'occuper des textes. Voilà. Donc, le lobbying, c'est plus d'un milliard de chiffre d'affaires et la Bruxelles, c'est le centre mondial du lobbyisme après Washington. Alors, en petit dessin, ça donne ça. J'aurais préféré une balance un peu plus déséquilibrée, mais j'en ai pas trouvé. Donc, vous avez la fabrication du droit en Union européenne, vous avez le monde des lobbies qui pèse très très lourd, et puis les citoyens qui pèsent vraiment pas très lourd. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à se faire entendre vraiment. Donc, s'agissant du pouvoir législatif, l'Union européenne a acté plusieurs choses. D'une part, l'amoindrissement de la représentativité populaire, puisqu'on a vu qu'une des deux chambres n'était pas issue du vote, que la chambre issue du vote avait moins de prérogatives que celle qui n'était pas issue du vote, et que celle qui est issue du vote n'a pas une représentativité en elle-même extraordinaire du fait de l'absence d'homogénéité des peuples qui décident. Il y a également une perte d'autonomie du pouvoir législatif, parce que le pouvoir législatif n'est là que pour appliquer les principes politiques issus des traités. Donc il n'a pas de souveraineté de vote sur les sujets qui lui conviennent. Il ne peut que proposer des lois pour faire appliquer les traités. Il ne peut que voter des lois, pardon, pour faire appliquer les traités. Et puis aussi, on ne peut pas faire autrement que de mentionner la banalisation de la prééminence des intérêts privés représentés par le lobbyisme. Alors on peut passer maintenant au troisième grand pouvoir que les gens connaissent sous le nom de pouvoir judiciaire, mais
que j'appellerais pouvoir juridictionnel, parce que vous savez que en France, sous la Ve République et déjà bien avant, nous avions deux ordres de juridiction. Il y avait l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Alors l'ordre judiciaire et l'ordre administratif sont tous les deux des instruments d'application de la souveraineté populaire, puisque les deux ordres sont chargés d'appliquer des lois qui ont été votées par les députés et les sénateurs, donc les représentants du peuple. Alors, l'ordre judiciaire, théoriquement, est indépendant en République. Il applique la même justice pour tous et il est organisé de façon pyramidale. Vous avez les tribunaux de grande instance, les cours d'appel et la cour de cassation en cassation. Et vous avez l'ordre administratif. Lui, c'est un peu différent parce qu'il est rattaché directement au ministère de l'Intérieur, mais au ministère de la Justice. Mais depuis 1799, la création du Conseil d'État par le consulat sous Napoléon Bonaparte, dans les faits, l'ordre administratif avait pris une indépendance fonctionnelle. Il n'a pas d'indépendance de structure, mais il fonctionnait un peu à la façon de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire de façon autonome par rapport à son ministère de rattachement. Et également, il était organisé de façon pyramidale. Vous avez les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel et, en cassation, le Conseil d'État. Alors, en Union européenne, vous avez le tribunal de l'Union européenne en première instance et la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, le tribunal de l'Union européenne, c'est le TU. Et la Cour de justice, c'est la CJUE. Vous avez également un tribunal de la fonction publique. C'est une organisation donc pyramidale, mais c'est un instrument d'application des traités. C'est toujours pareil. Au lieu d'être un instrument d'application de la souveraineté populaire, c'est un instrument d'application des traités. Qui ne sont pas, comme on l'a vu tout à l'heure, issus de la volonté populaire. C'est une œuvre... La Cour de justice de l'Union européenne œuvre de façon très étroite avec la Commission pour faire appliquer les traités, puisque la Commission est chargée de la surveillance des États membres de façon à ce qu'ils respectent bien les principes issus des traités. Vous avez le recours pour aide d'État. Seule la Commission européenne peut saisir la Cour de justice pour faire condamner un État pour aide d'État excessive ou qui ne correspond pas à ce que les traités exigent. D'ailleurs, France Télécom a été condamnée à 1,02 milliard, je ne sais quoi, enfin plus d'un milliard d'euros suite à un régime de faveur dont elle bénéficie en matière de taxes professionnelles, ce qui a justifié la suppression de la taxe professionnelle, la réforme suivie de la suppression de la taxe professionnelle. Alors, on peut se projeter, aller un peu plus loin et faire une prospective de ce que sera la justice dans l'ordre du grand marché transatlantique qui suivra la négociation, enfin et surtout la ratification des différents traités de libre-échange qui sont actuellement en négociation. Alors, c'est une anticipation qui n'est malheureusement pas de la fiction. Vous aurez une justice privée, puisque ce sont des cours d'arbitrage qui sont chargés de rendre la justice. Cette justice opère à huis clos et elle a pour objectif de protéger les investissements. En fait, elle déterminera des sanctions financières très lourdes contre les États qui auront appliqué des réglementations pour protéger, des réglementations sanitaires ou des réglementations sociales, pour protéger les citoyens ou d'autres intérêts communs, d'intérêts publics. Ça sera une justice onéreuse parce que les cours d'arbitrage, c'est les intervenants qui la payent en fait. Et ces cours d'arbitrage, cette justice privée s'imposera aux États. Les États n'auront pas la possibilité. On connaît aujourd'hui des affaires qui ont été réglées par arbitrage, l'affaire Tapie, mais c'est l'État lui-même qui a décidé d'avoir recours à l'arbitrage. Il avait ses raisons, pas forcément bonnes, mais elles existaient. Alors que là, l'État sera attrait en défense et il n'aura pas la possibilité de renoncer ou de refuser ce recours. Alors... La Cour de justice de l'Union européenne, en effet, est un élément clé de la construction européenne. C'est un élément très important et elle a, à partir de 1995, décidé d'une politique très constructive en matière de droit de l'Union européenne. En 2005, elle a décidé de durcir sa position et d'appliquer des sanctions financières en cas de manquement des États à transposer les directives.
La France a d'ailleurs été condamnée pour un manquement, enfin pour une non-transposition de directive en matière d'OGM, justement. Alors, en matière juridictionnelle, eh bien, c'est comme dans les deux autres domaines, les institutions européennes ont acté des choses de fond, des choses fondamentales. La transformation de l'ordre public en ordre commercial, puisque vous avez vu que, je vous ai expliqué que les juridictions ne sont là que pour faire appliquer les traités. Et les traités, ce sont des traités commerçants. D'ailleurs, la CEE, au départ de la construction européenne, ça s'appelle la Communauté économique européenne. Donc c'est bien tout. Ça tourne bien autour de l'économie et ce sont des traités qui tournent exclusivement autour, non pas de l'intérêt commun, de la vie en commun des citoyens, mais autour du commerce. Tout est vu sous le prisme du commerce. Donc c'est un nouvel ordre, pas public, mais un nouvel ordre, l'avènement d'un nouvel ordre commercial. Une atteinte potentielle au principe d'égalité devant la loi, car effectivement la justice européenne n'est accessible qu'aux gros contribuables. Pourquoi ? Parce que pour saisir la justice européenne, il faut avoir épuisé les recours internes. Donc c'est déjà beaucoup de temps, on sait que la justice est souvent assez lente, donc il faut avoir du temps et de l'argent devant soi pour financer effectivement les droits en défense ou en attaque. Et puis, il y a une autre possibilité, c'est pendant que vous êtes... Une autre possibilité de saisir la justice européenne, c'est pendant que vous êtes vous êtes lié par un procès en France, le tribunal à qui vous avez affaire peut poser une question préjudicielle à la Cour de justice, mais cette question préjudicielle, elle n'est pas traitée de façon prioritaire, et c'est toujours des délais, des rallongements de délais. Donc c'est une justice qui est finalement difficilement accessible au commun des mortels. Et on a vu que, je vous ai montré tout à l'heure, que sous l'ordre du grand marché transatlantique, cette problématique sera potentialisée. Alors, on peut peut-être faire une petite conclusion maintenant de ce qui marque la réforme de l'Union européenne par rapport à ce que nous avons connu en organisation politique, en République. Alors déjà, on voit qu'il y a une disparition de la séparation des pouvoirs, puisque le pouvoir exécutif empiète sur le pouvoir législatif. Il y a un amoindrissement des pouvoirs du législatif, qui perd donc effectivement cette initiative, et il y a également un amoindrissement de la représentativité populaire du pouvoir législatif, puisque on l'a vu tout à l'heure, une des deux chambres n'a pas de représentativité populaire, celle qui a la représentativité populaire a moins de prérogatives que l'autre, et le Parlement européen qui est doté d'une représentativité populaire, cette représentativité n'a pas la légitimité qui aurait un État-nation relativement cohérent dans son histoire politique, économique et culturelle. Alors, on note aussi une perte d'autonomie du pouvoir législatif, puisque ce pouvoir n'a plus la possibilité de se prononcer sur n'importe quel sujet, mais ne doit faire qu'une chose, appliquer les traités. Et enfin, c'est ce qu'on a vu très récemment, c'est l'avènement du commerce comme ordre sociétal supérieur, qui remplace l'ancien intérêt public. L'avènement du commerce, derrière, ce sont des intérêts privés. On a vu que le lobbying est très puissant. On a vu que les traités n'ont pas... On reviendra sur les traités tout à l'heure, parce que je ferai une aparté sur les traités en particulier. Alors, la souveraineté populaire a été remplacée par la souveraineté d'une oligarchie qui détient le capital. On appelle ça une plutocratie. Elle est à l'origine de la rédaction des traités européens, et elle est présente en permanence à toutes les étapes de la fabrication du droit de l'Union européenne. La ratification des traités par les parlementaires nationaux ne doit pas faire illusion. Pourquoi ? Parce que les parlements qui se prononcent sur la ratification d'un traité n'ont pas la possibilité de renégocier chacun des articles du traité. Ils sont comme le peuple vis-à-vis d'un référendum, ils doivent approuver ou rejeter en bloc. Ils n'ont pas la possibilité, quand vous avez des traités qui font plusieurs centaines de pages, C'est un rapport de force terrible qui échappe aux représentants du peuple. Ils ne sont pas en mesure de dire « moi j'accepte l'article un tel, page un tel, et par contre la page suivante ne me convient pas ». C'est tout ou rien, c'est le tout ou rien. Et d'autre part, on a vu, malheureusement, on a constaté que les représentants du peuple ne votent pas toujours en fonction de l'intérêt des citoyens, mais bien souvent en fonction de l'intérêt du parti qui les a amenés à leur place.
Alors, en conclusion, on ne peut que constater que la ratification des traités européens opère un véritable coup d'État vis-à-vis des institutions que l'on a connues sous les régimes politiques traditionnels de République. Les traités organisent un nouveau mode de gouvernement qui d'ailleurs a changé de nom puisqu'on l'appelle aujourd'hui gouvernance. Et ce nouveau mode de gouvernement, cette gouvernance, abandonne les grands principes qui ont fait que l'Occident s'est développé en tant que civilisation. Abandon de l'équilibre des pouvoirs, de la séparation des pouvoirs, de la protection contre les corps constitués et de la responsabilité du pouvoir devant le peuple. Alors voilà, en matière s'agissant des trois pouvoirs classiques qui sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire, eh bien l'Union européenne rebat complètement les cartes. Alors, la première sous-partie de cette conférence tire à sa fin. Donc maintenant, vous voyez sur un petit schéma l'organisation des institutions européennes. Donc vous avez au milieu l'exécutif, la commission et le conseil. Au-dessus, vous avez le législatif, le parlement, le conseil de l'Union européenne, avec le comité là-bas. Vous avez la Cour de justice de l'Union européenne au sud, si je puis dire. Et au sud-est, vous avez ce que j'ai appelé, de part et d'autre de la Cour de justice, vous avez ce que j'ai appelé les institutions propres de l'Union européenne, qui sont des institutions d'ordre fédéral, fédéraliste. Donc vous avez d'une part l'organisation régionale avec le comité des régions, et vous avez d'autre part le pouvoir financier en Union européenne qui est, il manque un petit carré parce qu'il y a la Banque Centrale Européenne, le Mécanisme Européen de Stabilité et la Banque Européenne d'Investissement. Maintenant, nous allons passer donc à ces deux éléments du Sud, si je puis dire, qui sont le Comité des Régions et le pouvoir financier en Union Européenne. Alors, on va commencer par l'organisation territoriale. L'organisation territoriale, c'est deux choses. C'est le Comité des Régions et c'est également la Charte Européenne des Langues Régionales et Minoritaires. Ensuite, on passera au pouvoir financier. Alors déjà, je parle d'institutions fédéralistes. Alors pour être clair, il faut repositionner le débat. Qu'est-ce que c'est qu'une fédération ? Une fédération, eh bien, c'est une organisation politique, c'est une organisation, comme son nom ne l'indique pas, qui est pyramidale et qui reste pyramidale, qui repose sur des entités dotées d'une certaine indépendance, puisque une indépendance fonctionnelle, puisqu'elle a des deux. Ces pouvoirs fédérés ont une souveraineté sur certains domaines d'activité, mais dont les décisions stratégiques sont données par l'entité fédérale qui dispose de moyens de contrôle pour faire appliquer sa politique. Elle suppose la mise en commun de moyens financiers et une unification des politiques, lesquelles resteront sous la domination de l'État fédéral, en l'occurrence les institutions européennes. Alors, je vous propose une petite carte qui a été édictée par le EFE, c'est l'European Free Alliance, qui est une alliance de partis politiques minoritaires, une alliance de petits partis fédéralistes, régionalistes, minoritaires, mais qui sont alliés aux partis verts européens. Voilà. Ils ont édité une carte de ce que serait, selon leurs vœux, l'idéal de la régionalisation en Europe. Alors vous voyez que la France est divisée quasiment par deux. La France qui est là perd toute la partie sud de son territoire, perd la Bretagne et perd tout ce qui est frontalier avec l'Allemagne. Alors, le comité des régions. Qu'est-ce que le comité des régions ? Le comité des régions, il a été créé en 1994. C'est un organe consultatif qui représente les autorités régionales et locales au sein de l'Union européenne. Donc là, vous voyez, la Commission, le Conseil et le Parlement doivent consulter le Comité des régions avant toute prise de décision qui porte sur les thèmes intéressant les pouvoirs locaux et régionaux. Ces thèmes-là sont de plus en plus importants, puisque vous savez, on va en reparler tout à l'heure, mais il y a une réforme territoriale en France qui propose de donner beaucoup plus de pouvoir aux régions. Son rôle, c'est de faire valoir les points de vue locaux et régionaux. Mais son rôle a été renforcé par le traité de Lisbonne, puisque maintenant la Commission, avant même, de,
avant même de proposer une initiative de loi, doit désormais consulter le comité des régions et les pouvoirs locaux et régionaux. Et ensuite, une fois que la commission présente la proposition législative, elle doit à nouveau consulter le comité des régions si un des domaines de la proposition concerne un pouvoir qui est un pouvoir régional. Alors, d'où vient le comité des régions ? D'où il vient ? Comment est-ce qu'il est arrivé là ? Eh bien, dans les années 80-90, une multitude d'organismes allemands ont pris des contacts avec ont travaillé en collaboration avec les Catalans, des Basques, des Frioubéniciens, des Galiciens et des Flamands, pour finalement, en 1987, arriver à une résolution de la conférence des ministres présidents des Länder allemands, laquelle a décidé de créer un groupe de travail chargé de rendre un rapport détaillé sur ce que serait l'idéal d'une région et d'un Länder, parce que chez nous ça s'appelle Land, d'un Land et de Länder. Alors en 1990, un rapport détaillé a été remis qui propose l'introduction du principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité suppose qu'en fait toutes les prérogatives qui peuvent être exercées par l'échelon inférieur, c'est-à-dire l'échelon régional, doivent l'être. Ça fait perdre à l'échelon central une très grosse partie de ses prérogatives. Il a proposé des modèles de participation des Länder et des régions aux travaux du Conseil. Il a proposé la création d'un organe communautaire spécial qui est devenu le futur comité des régions. Là, on est en 1990, hein, le comité des régions créé en 1994. Mais il a été proposé au sein de ce rapport. Et il a proposé la possibilité pour les Länder d'ester en justice, c'est-à-dire d'agir devant la Cour de justice de l'Union européenne. En 1992, on a le traité de Maastricht qui officialise le principe du fédéralisme suite à tous ces rapports. Et en 1994, on a la création du comité des régions. J'ajoute qu'en 1997, un rapporteur allemand qui s'appelle M. Rabe, qui était alors député du Land de Basse-Saxe, dirigé alors par Gerhard Schröder, a fait une recommandation dans laquelle il estime qu'il faut donner aux collectivités régionales une indépendance économique, fiscale, administrative et politique en contournant l'autorité nationale. Voilà. L'interlocuteur de l'Union européenne, ce sera désormais les régions. J'avance un petit peu sur ce que je dirais tout à l'heure. Vous savez que dans le prochain projet de loi sur lequel travaillent le gouvernement et le Parlement actuellement, qui concerne les compétences qui seront données aux régions, puisque vous savez que la carte des régions a été votée par l'Assemblée nationale, mais les compétences ne sont pas encore traduites en texte de loi définitif. C'est devant le Parlement. Et justement, ce projet de loi propose que chaque région ait un Parlement. Donc voilà, on est exactement dans l'application des préconisations allemandes. Alors, le prochain projet de loi s'appelle « Portant nouvelle organisation territoriale de la République ». Voilà. Alors, il propose de donner beaucoup plus de pouvoir et des compétences exclusives aux régions en matière de formation et d'emploi, de transport, de lycées et collèges, d'aménagement des grandes infrastructures. Les régions avaient déjà des prérogatives dans ces domaines, mais là, ça sera une compétence exclusive. Elle propose des moyens financiers propres et dynamiques aux régions. Et elle propose, ce projet de loi suppose que ces régions seront gérées par des assemblées territoriales de taille raisonnable. Les assemblées territoriales. Alors, on a entendu parler d'économie, mais en réalité, ça veut dire que les contribuables devront financer dans chaque région un nouveau parlement, enfin, l'équivalent d'un parlement, ce qui risque pas de faire des économies en détail. Hein. Ça va augmenter aussi les roitelets locaux. Ah oui, je voulais aussi vous signaler le fait que le ministre Cazeneuve a présenté la réforme territoriale qui est en train de passer là, en insistant sur la compétitivité des régions françaises par rapport aux autres régions européennes. Alors ça met tout de suite le là et on voit très bien quand les événements sont présentés comme ça, qu'est-ce qui est important. La régionalisation, le projet de réforme territoriale française n'est pas une exigence franco-française.
Elle s'inscrit dans le projet européen, allemand, d'origine allemande, de transformer l'Europe en Europe fédérale des régions et non pas des États-nations. Voilà. Je dois aussi insister sur le fait que dans le premier projet de loi, celui qui a été voté par l'Assemblée nationale le 25 novembre dernier et qui détermine les 13 régions, le nombre des nouvelles régions, eh bien, se sont glissés deux amendements parlementaires qui sont restés assez discrets, mais qui ont leur importance. Un amendement parlementaire en particulier prévoit de supprimer toutes les obligations actuelles de référendums locaux pour ce qui concerne la délimitation du territoire local. Et les parlementaires s'apprêtent par là à désavouer le référendum d'avril 2013 par lequel le peuple a rejeté la collectivité unique d'Alsace, la création d'une collectivité unique d'Alsace. Donc on assiste, comme en 2008, avec la ratification du traité de Lisbonne par les représentants du peuple, on assiste à une sorte de passe-droit par lesquels les représentants du peuple se permettent de rejeter la volonté populaire directe pour appliquer leurs propres exigences politiques. Donc la réforme territoriale française, c'est un peu ce que je disais, mais vu d'une autre façon, une réforme territoriale n'a de sens que portée par un pouvoir politique souverain. La France a transféré sa souveraineté aux instances européennes et à Bruxelles. Elle n'est donc plus souveraine. Et donc, de façon logique, la réforme française s'inscrit dans le projet européen qui est organisé par les Allemands. La taille des régions françaises sera d'ailleurs calquée sur la taille des Landes, des Länder allemands. Le comité des régions a préalablement été mis en place, puisqu'il date de 1994. Donc vous voyez, aujourd'hui, la première loi française était votée en 2014, donc ça fait quand même beaucoup de temps qu'il s'est étalé entre les projets européens et leur manifestation sur les territoires des États membres. Et en réalité, ce projet européen de régionalisation, c'est une opération géopolitique consistant à diviser les États et à diviser pour mieux régner, finalement. On divise des gros États pour en faire des petites entités autonomes qui n'ont pas la capacité réelle de défense. Alors, en prospective, eh bien, les régions deviendront à terme les seuls interlocuteurs de l'Union européenne. Ils seront les interlocuteurs du comité des régions. C'est un objectif d'asservissement des peuples, puisque les États-nations ne seront plus l'intermédiaire, et donc les régions se trouveront dans une position d'autant plus faible que le pouvoir fédéral, qui est à Bruxelles, et dans les instances de décision et de lobby, n'auront pas de contre-pouvoir vraiment important. Ces régions seront indépendantes, autonomes, mais faibles. Ça accentuera à terme la concurrence à la moins-disance fiscale, sociale, économique et juridique, puisqu'on a vu tout à l'heure que les Allemands préconisent une indépendance réglementaire, fiscale, etc. Et ça aggravera évidemment les tensions sociales au sein de territoires qui étaient européens, au sein de territoires européens anciennement unis, comme l'étaient les États-nations, comme le sont la France ou l'Espagne, qui sont des États constitués depuis fort longtemps. Ces États vont être déstructurés et ça sera un facteur de guerre sociale et civile, en raison notamment de la mise en concurrence de toutes ces régions entre elles. Alors, pour réaliser cet éclatement des États-nations et ce projet géopolitique, eh bien, les institutions à la manœuvre ont imaginé plusieurs angles d'attaque. Alors, la régionalisation, c'est le lourd du phénomène, mais pour faciliter, si je puis dire, cet éclatement territorial, eh bien, on peut essayer de supprimer la cohésion interne des États-nations. Et supprimer la cohésion interne des États-nations, ça se fait de façon très, très simple par l'objectif de promouvoir des langues et des minorités ethniques qui, pour la plupart, avaient certaines quasiment disparues et qui sont
remise au goût du jour, réhabilitée, refinancée et réendoctrinée, si je puis dire. On remet au goût du jour des choses qui avaient, par certains côtés, complètement disparu. On réinvestit des minorités et des ethniques et linguistiques. Voilà. Alors, cette charte des langues régionales et minoritaires a été adoptée en 1992. Vous vous souvenez que 1992, c'est l'adoption du traité de Maastricht et du principe, la formalisation dans les traités du principe du fédéralisme. Elle a été adoptée donc en 1992 sous les auspices du Conseil de l'Europe. Elle est issue de travaux austro-germaniques sous la direction du juriste autrichien, Theodor Faitler. Alors, en France, cette charte a été signée par Chirac sous le gouvernement Jospin, mais elle n'a jamais été ratifiée parce qu'une décision du Conseil constitutionnel a mis en avant le fait que dans la Constitution française, le français était la langue de la République et que d'autre part, cette charte portait atteinte à l'unité et à l'indivisibilité de l'État. Alors, ça n'a pas arrêté Nicolas Sarkozy, qui a fait ajouter en 2008 un article 75.1 à la Constitution afin d'y introduire la notion de langue régionale. Alors, si on veut aller un peu plus loin, eh bien, c'est cette nouvel article 75.1 de la Constitution française et cette charte des langues minoritaires et régionales, eh bien, c'est la porte ouverte en France à un retour sur une ordonnance fort ancienne d'août 1539 qui s'appelle l'ordonnance de Villers-Cotterêts et qui imposait le français dans tous les documents officiels du royaume. Alors, en conclusion de l'organisation territoriale et régionale de l'Union européenne, eh bien, on ne peut que constater que c'est un projet qui est initié et contrôlé par les Allemands et dont l'objectif est de faire disparaître les États-nations afin de supprimer toute concurrence nationale susceptible de s'opposer à l'État fédéral de l'Union européenne. Alors maintenant, on va passer à la deuxième sous-partie de cette deuxième partie que j'ai appelée pouvoir fédéral, enfin les institutions fédérales, et qui concerne le pouvoir financier en Union européenne. Alors le pouvoir financier en Union européenne, vous savez que l'Union européenne est financée par les budgets des États membres, donc c'est déjà en soi un début de fédéralisme. Mais ça ne s'arrête pas là, le fédéralisme, parce que vous allez voir que déjà au budget de l'Union européenne, vous savez certainement tous ici que la France est contributrice nette puisque nous abondons à hauteur de 21 milliards le budget de l'Union européenne, alors que l'Union européenne ne retourne en subsides et en subvention, merci, c'est le mot que je cherchais, en subsides et subventions 14 milliards d'euros à la France. Donc nous, on donne 7 milliards de plus par rapport à ce qu'on récupère. Mais ce n'est pas tout, et c'est même le strict minimum, puisque l'essentiel est ailleurs. S'ajoute en matière fédérale le pouvoir financier de l'Union européenne qui organise et accompagne le fédéralisme. Alors le pouvoir financier en Union européenne, c'est quoi? C'est trois choses. C'est le système européen des banques centrales, vous connaissez tous la BCE et son fameux Mario Draghi. C'est le MES, qui est très récent, Mécanisme européen de stabilité, et c'est la BEI, Banque européenne d'investissement, qui date du traité de Rome. Alors, on va commencer par le système européen des banques centrales, si vous voulez bien. Donc, ce système est exclu dans les traités, de façon non équivoque, que la Banque centrale européenne et les banques centrales des pays membres ne peuvent pas financer ni les États, ni aucun organisme public. Alors, effectivement, l'article 7 du protocole numéro 4 annexé au traité de l'Union européenne indique clairement « Ni la BCE, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. » Donc il est inscrit dans le marbre des traités que les États ne peuvent se financer que par l'endettement. Alors, ça, c'est la théorie. Vous voyez que c'est le marbre des traités est vraiment très clair, on peut pas, il n'y a aucune équivoque là-dessus. Mais cet article va
bientôt être battue en brèche par l'autorisation que la Cour de justice va bientôt donner à la Banque Centrale Européenne de racheter des bons du Trésor, des obligations d'État. On verra ça un peu plus tard. On verra ça en détail un peu plus tard. Néanmoins, les traités sont clairs, les banques centrales ne peuvent pas financer les États. Alors, c'est une sorte d'asservissement légal, puisque c'est une méthode de concentration du capital, puisque les États doivent financer avec des intérêts les emprunts qu'ils doivent faire. Alors, qu'est-ce que c'est que le système européen des banques centrales? Eh bien, c'est 19 banques centrales de la zone euro, parce que vous savez que la Lituanie est entrée au joyeux pays de la zone euro, dans le joyeux cadre de la zone euro au 1er janvier 2015, donc cette année même. Et c'est 9 banques centrales indépendantes de la zone euro. C'est 9 banques centrales qui n'appartiennent pas à la zone euro et 19 banques centrales qui appartiennent à la zone euro. Alors, parmi toutes ces banques centrales, j'ai fait une petite recherche et le seul qui sort vraiment, qui n'est pas en rapport, dont le pédigré et dont les idées ne sont pas en rapport avec celles de tous ces confrères, eh bien, c'est la Hongrie. C'est le seul gouverneur de banque centrale appartenant à l'Union européenne qui se prononce ouvertement pour le principe de préférence nationale. Je pense que c'est quand même à souligner. Alors, la BCE. Qu'est-ce que c'est que la BCE? Eh bien, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a son siège à Francfort. Elle est dirigée par un directoire et par un conseil des gouverneurs. Le directoire, vous savez qu'il a 6 membres. Son président, vous le connaissez, c'est Mario Draghi. Son vice-président est portugais, pardon. Et vous avez 4 membres. Vous avez un Allemand, vous avez un Belge qui est belge, mais aussi un peu allemand par un de ses deux parents. Vous avez un luxembourgeois, bien sûr, et vous avez un français. Voilà. Alors, au Conseil des gouverneurs, c'est les gouverneurs des banques centrales de la zone euro. Des 19 pays, pardon, j'ai pas mis à jour, c'est des 19 pays membres de la zone euro. Le Conseil des gouverneurs se réunit 2 fois par mois au siège de la Banque Centrale Européenne. Alors, les critères de sélection de tous ces membres, de tous ces gens qui appartiennent au système européen des banques centrales, eh bien, une petite étude assez rapide a permis de découvrir d'où venaient tous ces gens-là. Donc, ils sont tous passés soit au FMI, soit à la Banque des règlements internationaux, soit à l'OCDE, dans une université anglaise ou américaine, à la Banque mondiale, ou alors dans un organisme européiste américain. Le dernier critère, c'est d'être de nationalité allemande. Il y a certains Allemands qui, de par leur nationalité, ont des accès plus simples. Alors, je voudrais insister sur la chose suivante. Mario Draghi a été autorisé par le tribunal de l'Union européenne en 2012 à conserver secret les documents expliquant comment, grâce à Goldman Sachs, la Grèce a plus qu'à boufler sa dette et entrer dans la zone euro. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire, puisque vous savez que dans le futur projet de loi Macron, il est indiqué une nouveauté qui est la protection du secret des affaires. Et bien là, on est en plein dans la protection du secret des affaires. Alors, je voudrais juste vous faire un petit passage très rapide sur le pédigré de Mario Draghi. Mario Draghi est détenteur d'un PhD au MIT, donc c'est une grande université américaine. Il est membre du groupe des 30. Le groupe des 30, c'est un think tank qui a été créé en 1978 à l'instigation de la fondation Rockefeller. Il a été administrateur de la Banque mondiale, il a fait un passage à l'OCDE, il a été vice-président pour l'Europe de Goldman Sachs, vous le savez, de 2002 à 2005. Il a été gouverneur de la Banque d'Italie et il est président du groupe des gouverneurs de banques centrales à la BRI, Banque des règlements internationaux, que les gens connaissent plutôt sous le nom de BSI. Pardon. Alors, il y a un député européen qui s'appelle Pascal Canfin, qui a mis en cause Mario Draghi de façon expresse et nommément en l'accusant d'avoir été à l'origine, d'avoir été directement impliqué dans l'échange de swap avec les États aujourd'hui en difficulté. C'est-à-dire qu'il a été directement impliqué dans les négociations entre Goldman Sachs, entre les instances budgétaires, fiscales et économiques grecques, et pour faire entrer la Grèce dans la zone euro alors qu'elle ne remplissait pas les critères officiels.
Alors, Mario Draghi a toujours nié en disant que ce type de contrat était engagé avant son entrée en fonction. Il est vrai que la Grèce est entrée dans la zone euro en 2001 et que Mario Draghi a pris ses fonctions chez Goldman Sachs en 2002. Néanmoins, il a toujours soutenu, lors d'une audition devant les députés européens, il a soutenu avoir travaillé uniquement pour le secteur privé. Donc c'est un peu des arguments qui ne vont pas ensemble, parce que s'il n'était pas là, on ne s'occupe pas de savoir s'il travaillait pour le privé ou pour le public. Et puis de toute façon, c'est l'argument qui n'a pas la route, puisque de l'aveu même de Goldman Sachs, Mario Draghi était chargé du travail avec les gouvernements et les agences gouvernementales, ainsi que du développement stratégique en Europe avec les principaux dirigeants de la firme. Alors, la mission de la BCE. La BCE, elle a pour mission de garantir la stabilité des prix. Ça, tout le monde le sait, c'est sa mission principale. Elle a également pour mission d'autoriser l'émission des billets en euros. Elle assure le fonctionnement du système de paiement interétatique, qui s'appelle aujourd'hui Target 2, mais dont je me suis laissé entendre dire qu'il allait être réformé d'ici quelques mois. Il participe à la coopération internationale et européenne. Vous savez qu'il a le statut exceptionnel d'observateur auprès du FMI. C'est la seule organisation à avoir le statut d'observateur au sein du FMI. Il supervise les banques dans le cadre de l'union bancaire. Et enfin, il fait partie de la Troïka. La Troïka, c'est l'ensemble des experts qui représentent la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, qui est chargé d'auditer la situation économique d'un pays dans le cadre d'un accord de refinancement et pendant toute la durée de cet accord. C'est comme ça que vous avez régulièrement des descentes de la Troïka en Grèce. Alors, les limites du rôle de la BCE, c'est que la Banque Centrale Européenne n'a pas la prérogative de répartir l'argent en fonction des besoins des États membres ou des régions, etc. Elle n'a pas non plus l'autorisation de créer de l'argent, de créer de la monnaie sans contrepartie. Elle n'a pas l'autorisation de faire la planche à billets. Alors, vous savez pourquoi ? C'est que les Allemands se sont toujours opposés à ça. Ils craignent par-dessus tout les mécanismes inflationnistes à Weimar. Ils s'y sont toujours opposés. Alors, il a fallu trouver un biais, puisqu'en période de crise, et en particulier en période de crise d'État sévère, comme ça s'est produit en Grèce, il a fallu trouver un mécanisme qui permettrait de financer les États sans faire de création monétaire. C'est comme ça que le MES a vu le jour, Mécanisme européen de stabilité. C'est pour pallier les limites du rôle de la BCE que la plutocratie européenne à la manœuvre a imaginé une autre façon de pourvoir aux besoins de financement des États sans passer par la création monétaire. Effectivement, pour éviter que ces États ne quittent ensuite la zone euro et l'Union européenne. Alors, le MES, il faut vraiment s'arrêter un moment sur le MES, qui est qui a été présenté comme étant un traité de paix, qui est en réalité la création d'une institution financière nouvelle, qui est habilitée à investir à hauteur de 700 milliards d'euros sur les marchés financiers. Ce mécanisme européen de stabilité est entré par effraction. On reverra ça dans la troisième partie, mais je vous montrerai pourquoi et comment il est entré par effraction dans l'ordre juridique de l'Union européenne. La mauvaise procédure a été utilisée parce que ça arrangeait les instances en charge d'accélérer le processus. Il est entré en vigueur en septembre 2012 et, oh surprise, il est dirigé depuis par un Allemand, Klaus Regling. Il siège à Luxembourg, sans grande surprise, et c'est une institution financière européenne et internationale nouvelle. Il a la pleine personnalité juridique, il est habilité à agir à l'international et l'aide qu'il accordera sera conditionnée aux ajustements politiques et économiques négociés par la Commission en liaison avec la BCE. Le même système que ce qu'on connaît avec la Troïka actuellement et ce qu'on connaît également avec le FMI. Alors, le MES a été fusionné avec ce qu'on appelle le FESF, c'est le Fonds européen de stabilité financière, qui a, lui, été autorisé par l'Eurogroupe, par une réunion du sommet de l'Eurogroupe du 11 mars 2011, à, d'une part, acheter de la dette primaire et, d'autre part, à racheter des obligations d'État sur le marché secondaire. Donc le MES a la possibilité, par l'intermédiaire du FESF,
qui a fusionné avec lui, de racheter déjà de la dette d'État, des obligations d'État sur le marché secondaire. On reverra ça dans très peu de temps, puisque vous savez que Mario Draghi, la BCE, s'est mis en tête de racheter des obligations d'État sur le marché secondaire. Donc ça pose une certaine question. Alors pour revenir au MES très rapidement, mais il faut quand même le dire, le MES est une institution financière dont les statuts sont calqués presque mot pour mot sur ceux de la Banque des règlements internationaux, pardon, BRI ou la BIS. Alors, elle a la pleine personnalité morale. Elle est régie par un principe de secret intégral. Le personnel est tenu au secret des informations professionnelles, y compris après la cessation de leur fonction. Les archives et les locaux sont inviolables. Le statut diplomatique est accordé aux communications officielles. Il bénéficie d'immunités très élargies, puisqu'il a une immunité de juridiction des biens et avoirs. Aucune perquisition, expropriation, confiscation, saisie ou mainmise de qui que ce soit n'est possible sur les biens du MES. Il dispose d'une immunité de personne. Aucune poursuite possible dans l'exercice de leurs fonctions, inviolabilité de leurs papiers et des documents officiels. Il bénéficie d'un statut juridique dérogatoire au droit, puisque ses biens, financements et avoirs ne sont soumis à aucune restriction réglementaire, contrôle ou moratoire de quelque nature que ce soit. Il est dispensé de l'obtention des agréments nécessaires aux établissements de crédit. Mais le mieux est à venir, il bénéficie d'exonérations fiscales quasi absolues. Intégralité d'exonération fiscale en matière d'impôts directs. Exonération maximale en matière d'impôts indirects et de TVA. Les biens importés sont exonérés de tout droit, taxes et interdictions ou restrictions à l'importation. Exonération fiscale des agents du MES qui payent un impôt en interne. Exonération d'impôts ou droits perçus sur les obligations et titres financiers émis par le MES et sur les intérêts et dividendes y afférents, quel que soit son détenteur. Les conditions du versement du capital, ce qui est très important pour le contribuable français, puisque le MES, pour être parfaitement en état de fonctionner, les États se sont engagés à 5 versements annuels, donc à partir de 2012, date d'entrée en fonction, qui représentent chacun 20% du montant total que les États se sont engagés à fournir sur 5 ans. Alors, le plus gros contributeur au capital du MES, devinez qui c'est ? Qui est le plus gros contributeur au capital du MES ? C'est l'Allemagne, évidemment, sans surprise. Et le deuxième plus gros contributeur, alors là, je vous laisse deviner, c'est la France. La France s'est engagée à verser sur 5 ans 142 milliards d'euros de capital libéré. Donc 142 milliards d'euros sur 5 ans, je vous laisse faire le calcul, mais ça a de quoi grever le budget de la France. Hein. Pour l'instant, début 2015, 16,3 milliards ont été libérés. Mais le capital appelable, c'est effectivement 142 milliards. C'est-à-dire que si un État tombait en déliquescence et qu'il décidait de faire appel au MES, le MES demanderait aux États de libérer le capital qu'ils se sont engagés à souscrire. Je vous rappelle quand même que le déficit pour la France en 2012 s'élevait à 87,2 milliards d'euros. Et la dette pour 2013 s'élève à 1925 milliards d'euros. Donc, vous pouvez en déduire, est-ce qu'on est vraiment capable de financer le MES ? C'est la question que le contribuable français est en droit de se poser. Alors, la troisième... Ah oui, alors en conclusion, évidemment, le MES est un instrument exorbitant du droit commun qui est attentatoire à l'ordre public, puisqu'il dispose de toutes les immunités possibles, il est inattaquable. Le personnel, les biens, les locaux, tout est inattaquable. Il bénéficie de la valise diplomatique pour toutes ses transmissions. C'est vraiment dérogatoire au droit commun. Je rappelle que la Banque des règlements internationaux a été, au moment de sa création, c'était l'instrument de la politique américaine en Europe. Voilà. Donc, il n'est pas anodin qu'une institution naisse comme ça, du jour au lendemain, et bénéficie de toutes les exonérations fiscales, soit intouchable, et qu'aucun bien public ou personne publique ne puisse accéder ni à ses dossiers, ni à ses fonds, ni à rien. C'est un instrument d'asservissement financier des États, puisque vous avez l'obligation de financement. Je vous ai montré tout à l'heure que 142 milliards sur des États déjà très endettés, ça veut dire que la France, si elle devait libérer l'intégralité de son capital, devrait peut-être faire appel ensuite au MES pour se refinancer. Voilà, donc c'est ça, il faut être lucide, c'est exactement ce que ça veut dire.
Et c'est un instrument de concentration du capital, bien sûr, puisque quand vous faites appel au MES, eh bien, vous devez verser, c'est comme ce qui se passe en Grèce, des intérêts, mais en plus, réaliser sur votre territoire des réformes structurelles et des privatisations. Et c'est évidemment un pas vers le fédéralisme européen. Voilà. Alors, je voulais revenir absolument sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure très rapidement, sur le fait que Mario Draghi a décidé de faire un quantitative easing, c'est-à-dire de se donner la possibilité de racheter des dettes d'État sur le marché secondaire, alors que le MES avait déjà cette possibilité. Pourquoi est-ce que Mario Draghi a pris le risque de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de l'Allemagne en violant les traités qui sont très clairs, pour lesquels il est officiellement interdit de financer les États, alors que le MES, sans création monétaire, pouvait avoir pouvait déjà faire ce genre d'activité. Alors, vous savez que la Cour de justice de l'Union européenne doit rendre son arrêt pour autoriser Mario Draghi à faire ça mi-mai 2015, mais que déjà, dès mi-janvier, là, ça a été le 15 ou 16 janvier de mémoire, le responsable de l'affaire devant la Cour de justice, pardon, a émis un avis favorable en disant que si un État était en telle difficulté que ça portait atteinte à la transmission monétaire de la zone, eh bien, la Banque Centrale Européenne ne sortait pas de sa mission et devrait avoir le droit de faire du quantitative easing, c'est-à-dire du rachat d'obligations d'État sur les marchés secondaires. Alors, les Allemands ont cédé à la Banque Centrale Européenne en apparence seulement. On a dit que c'était une grande victoire, que Mario Draghi avait finalement réussi à imposer sa volonté aux Allemands, mais c'est pas tout à fait vrai, je vais vous montrer pourquoi. Parce que, déjà, c'est pas la Banque Centrale Européenne qui va racheter les dettes d'État des États membres. C'est chaque banque centrale d'État membre, la Banque Centrale Française, Allemande, Lituanienne, etc., qui aura la possibilité de racheter à hauteur d'un certain montant les dettes d'État de son État. Mais parmi les dettes d'État qui seront rachetées, parmi les obligations d'État qui seront rachetées, seuls 20% des émissions de titres seront autorisées à être transformées en euros collectifs, c'est-à-dire à rentrer dans le circuit de l'euro. Les autres resteront des dettes internes, des dettes particulières à chacun des États. Donc c'est un frein brutal au fédéralisme. L'Allemagne s'est opposée à ce qu'on fasse de la création monétaire pour financer ad vitam aeternam les dettes des États. Et la deuxième possibilité, c'est que l'Allemagne, malgré le fait qu'elle ait mis un frein en disant « je n'accepterai pas au-delà de 20% », pourrait être tentée, de par son orthodoxie financière et budgétaire, pourrait être tentée de faire en sorte que la Grèce sorte de l'euro pour faire éclater la zone euro et ne plus avoir à financer aucune dette d'État. Effectivement, vous allez voir, Madame Merkel s'est prononcée en disant que si le parti, à l'époque, le parti Syriza n'avait pas encore gagné en Grèce, mais elle a laissé entendre que le parti Syriza ne pourrait pas rester dans la zone euro s'il refusait d'appliquer les prescriptions de la Troïka. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui vient de se passer, puisque vous avez vu qu'aujourd'hui même ou hier, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, la Banque Centrale Européenne vient de conditionner l'accès de la Grèce aux liquidités européennes au maintien par ce pays des conditions de la Troïka, c'est-à-dire au maintien des programmes d'austérité et de privatisation. La Grèce, qui a fait croire qu'elle pouvait jouer sur tous les tableaux, va donc se retrouver devant le choix qui était le sien depuis toujours et que les gens n'ont pas voulu voir ou pas voulu en tout cas mentionner. Ça te permet quand même de gagner des élections, c'est très bien de faire rêver les gens. Mais elle va donc devoir choisir entre deux possibilités. La première, c'est de sortir de la zone euro, et peut-être bien de l'UE, parce qu'on ne peut pas sortir de la zone euro actuellement sans sortir des traités de l'Union européenne. Ou alors, continuer sur la voie de l'austérité que la Troïka et que l'Allemagne dirigent derrière.
Ils ont beaucoup de gens ont voulu croire que Syriza, enfin le parti qui a gagné, allait changer complètement les choses, mais vous avez vu, je vous ai montré au début de cette conférence que les traités européens, c'est aussi un programme politique, et ce programme politique est gravé dans le marbre. Il ne peut être changé qu'avec l'accord des 28 États membres. C'est pas parce que vous avez un des États membres qui change de gouvernement politique, qui change d'orientation politique, que ça changera l'application des traités. Et ça, c'est pas contestable. C'est pour ça que Mario Draghi, que Jean-Claude Juncker, pardon, finalement, avait raison en disant que le changement d'un gouvernement ne changerait pas l'application des traités. Ça a choqué les gens, mais c'est la stricte vérité juridique et ce n'est pas révolutionnaire. C'est très choquant parce que jusqu'à présent, ça a été caché aux gens. Mais ça existe, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, le dernier élément du pouvoir financier en Union européenne, c'est la Banque européenne d'investissement. Elle a été créée dans le traité de Rome dès 1957. Elle a été restructurée en l'an 2000 et aujourd'hui, elle détient 60% du capital de sa filiale qui est le Fonds européen d'investissement. L'objectif, c'est de financer des projets au sein et en dehors de l'Union européenne. Et ces moyens d'action, eh bien, c'est des emprunts sur le marché financier, comme le MES. Deux actionnaires principaux, je vous laisse deviner lesquels. Le principal actionnaire, c'est l'Allemagne, et tout de suite après, la France. Ah non, d'ailleurs, ils sont à part égale, puisque l'Allemagne et la France détiennent effectivement 16,5% du capital. Donc, son président, mais le président est allemand, pas français. Voilà. Alors, la Banque européenne d'investissement a deux fonds, le Fonds européen d'investissement et le très nouveau Fonds européen d'investissement stratégique qui a été lancé par Jean-Claude Juncker, si vous devez vous en souvenir, ça devait être au mois de novembre de l'année dernière. Donc, le FEI sert de caution de prêts aux PME, dispense... En 2010, a été créé un outil de financement de microcrédit doté de 200 millions d'euros issus de la Commission et de la BEI. Ça sert à financer les TPE et les chômeurs. Il faut savoir que le microcrédit, c'est un mécanisme de contrôle des entités qui échappait jusqu'à présent au système bancaire, puisque le microcrédit, c'est vraiment des crédits de petite taille qui sont pourvus également de taux d'intérêt. Ah oui, alors maintenant le Fonds européen pour l'investissement stratégique, c'est une initiative de Juncker du 26 novembre 2014 qui sera mise en place d'ici mi-mai 2015. La France et l'Allemagne en sont les actionnaires principaux. Oui, c'est la BEI qui financera à hauteur de 5 milliards, dont la France et l'Allemagne sont les actionnaires principaux, on vient de le voir, et l'Union européenne à hauteur de 16 milliards. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça récemment, mais le budget de la Commission est très déficitaire. Il y a beaucoup de dettes qui s'accumulent à la Commission européenne et qui ne sont pas encore payées. Donc, je ne sais pas comment il va financer ce nouveau fonds européen alors qu'il est déjà lui-même surendetté. On va voir ça dans les prochains mois, j'imagine. Alors, ce fonds européen va pouvoir lancer des emprunts allant jusqu'à 315 milliards d'euros. Pour la période de 2015 à 2017. L'objectif, c'est d'investir dans les secteurs décidément clés pour l'Europe, que sont l'énergie, les transports, le haut débit, l'éducation, la recherche et l'innovation. On peut signaler et mentionner au passage que toutes ces compétences vont bientôt relever de la compétence peut-être exclusive des régions. Donc, c'est un fonds qui va être chargé de financer les régions en se passant de l'échelon étatique. L'Allemagne aura un rôle dominant dans la sélection des projets par ce nouveau fonds, puisque c'est la Banque européenne d'investissement qui sera chargée de sélectionner les projets retenus. Et la Banque européenne d'investissement est dirigée par un Allemand. Alors, en conclusion, sur le pouvoir financier en Union européenne, on peut dire qu'il est tout à fait indépendant des peuples, puisque, vous avez vu, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on ne devient pas membre des instances financières de l'Union européenne
en étant représentant du peuple. C'est un asservissement par la dette à tous les niveaux, puisqu'il est gravé dans le marbre des traités que les États ne peuvent se financer non pas par eux-mêmes, mais que par emprunt. Le système européen des banques centrales, le mécanisme européen de stabilité et la Banque européenne d'investissement sont des outils d'application de la déstructuration des États-nations. On vient de le voir avec le FEIS, en réalité ce sont des fonds qui vont financer non pas l'État, mais qui vont financer directement les régions futures, puisqu'elles sont en formation, on va dire, en France actuellement. C'est un outil de concentration des capitaux par le paiement des intérêts et les politiques de rigueur et de privatisation qui vont avec le financement, un refinancement d'État par le MES et par la Troïka. Le pouvoir financier en Union européenne est dirigé et officiellement contrôlé par des Allemands. On a vu que le MES est dirigé par un Allemand, la Banque européenne d'investissement est dirigée par un Allemand et la BUBA, qui est la Banque centrale européenne, la Banque centrale allemande a un poids prépondérant au sein de la Banque centrale européenne. Mais ce pouvoir est organisé en sous-main par la plutocratie dominée par les anglo-saxons. Puisqu'on a vu, je vous ai montré tout à l'heure que les critères de sélection des individus du système européen des banques centrales qui gravitent autour de tout ça, c'est des formations dans des institutions anglo-saxonnes, passage au FMI, banque, des règlements internationaux, banque mondiale, OCDE et autres think tanks américains ou anglais. Voilà, exactement en dessin, ça donne ça. Alors, la France et le pouvoir financier en Union européenne, eh bien, je pense que vous l'avez constaté tout seul, la France est la grande perdante de toutes ces institutions financières de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'elle est un pourvoyeur essentiel de fonds et qu'elle n'a en contrepartie aucune marge de manœuvre décisionnelle. C'est pas elle qui a les postes de responsabilité. Elle est contributrice nette au budget de l'Union européenne et elle est deuxième apporteur de capitaux du MES et de la BEI. D'ailleurs, c'est pas deuxième au titre de la BEI, c'est, vous avez vu, apporteur à part égale. Elle devra s'endetter pour, in fine, devoir faire appel au MES ou à la Troïka, puisque vous avez vu qu'on s'était engagé en 2012 à apporter 241 milliards d'euros si le MES a besoin de financer des États. Ça sera certainement nous, les prochains États sur la liste. À ce rythme-là. Donc il faut quand même que les Français prennent conscience du niveau stratosphérique. Stratosphérique, c'est vraiment le terme adéquat de la trahison de leur intérêt par les représentants du peuple et par les décideurs politiques qui nous ont engagés dans ces institutions, financières. Le MES, c'est vraiment... c'est tragique pour le contribuable. Alors, les limites... ces institutions européennes montrent aussi les limites du fédéralisme européen. Puisque vous avez vu que les Allemands qui sont à la manœuvre pour la régionalisation et qui ont la main sur le pouvoir financier de l'Union européenne, eh bien, sont d'accord pour un fédéralisme politique dans lequel ils conservent des manettes. En revanche, ils s'opposent et s'opposeront toujours à un fédéralisme financier dans lequel ils perdraient le pouvoir de contrôle. Et en particulier, leur histoire leur ayant appris à craindre l'inflation monétaire à la Weimar, ils s'opposeront toujours à la création monétaire incontrôlée pour financer des États déficitaires. Ils préféreront renoncer à leur pouvoir sur le fédéralisme que s'engager dans un fédéralisme dans lequel ils perdent la main. Voilà. C'est ainsi qu'apparaissent les limites du fédéralisme européen. Alors, le pouvoir financier en Union européenne, j'espère que vous aimez mon petit bonhomme. Alors, en conclusion sur les institutions fédéralistes propre à l'Union européenne, eh bien, en matière d'originalisation comme en matière financière, l'initiative échappe à la plupart des États membres et à la France en particulier. Les États de l'Union européenne sont sous la férule allemande. Les décisions vont toutes dans le sens d'un affaiblissement de l'État-nation au profit d'un État fédéral bruxellois. Un maillage bancaire intégral qui met sous tutelle finalement le politique par le financier, puisque les États deviennent dépendants d'institutions financières pour leur propre développement.
Et j'insiste sur le fait que le système a été voulu de manière à ce qu'aucun débat ne transparaisse dans le public tant que toute l'architecture d'ensemble n'est pas en place, conformément à la volonté américaine de toujours. Alors là-dessus, j'ai des petites citations à vous montrer. Et en particulier... Monsieur a disparu. Citation d'un adjoint au secrétaire d'État américain qui recommandait de mémoire à Marjolin de rester très discret tant que, pour la mise en place d'une zone monétaire, de rester très discret tant que tout ne serait pas en place, prêt à installer. Alors, si je retrouve la citation, je vous la citerai in extenso, mais je ne suis pas sûre de la retrouver. Je crois que je ne l'ai pas. Voilà, si je l'ai, elle est là. Alors, donc l'adjoint au secrétaire d'État américain pour les affaires économiques, qui au cours d'une réunion du 11 juin 1965, hein, ça ne date pas d'hier, vous remarquerez, avec Robert Marjolin, qui était le vice-président de la CE à l'époque, je cite... ce secrétaire adjoint donc juge préférable de garder le silence sur l'objectif d'union monétaire en 1965, il parlait déjà d'union monétaire jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions serait devenue pratiquement inévitable. Alors, les institutions fédéralistes de l'Union européenne, la régionalisation et les institutions financières, eh bien à la manette l'Allemagne et les grandes banques qui tirent les intérêts et dividendes de toute cette belle organisation. Alors on arrive maintenant à la troisième et dernière partie de cette conférence qui propose d'analyser le processus décisionnel au sein de l'Union européenne. Qui prend les décisions, quelles décisions d'ailleurs, et dans quelles conditions, sous quelles procédures? Alors, il y a trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est en matière de modification des traités constitutifs. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet plus haut, mais on va y revenir plus en détail. Le deuxième cas de figure, c'est en cas de négociation de nouveaux traités. Alors là, on est en plein dans l'actualité, puisque avec les négociations des traités de libre-échange actuellement, on va pouvoir en parler aussi un peu plus en détail. Et le troisième cas de figure, c'est le droit qu'on appelle droit dérivé, c'est-à-dire droit dérivé des traités, qui représente les lois de l'Union européenne, et on va voir comment elles se prennent. Alors, en cas de modification du traité constitutif, l'article 48 du traité sur l'Union européenne propose, indique deux procédures différentes selon que la modification se propose ou non d'accroître les compétences de l'Union. Donc, dans le cas d'un accroissement des compétences de l'Union, c'est la procédure ordinaire qui s'applique. Cette procédure ordinaire est longue et un peu laborieuse, il faut bien le reconnaître. En cas, s'il n'y a pas d'accroissement des compétences de l'Union européenne, eh bien, on a une procédure simplifiée qui est plus simple. Et alors, quand le MES, je vous ai dit que le MES était entré par effraction dans l'ordre juridique de l'Union européenne, parce que le MES, en effet, modifie les traités dans le cadre d'un accroissement des compétences, puisque vous avez vu qu'il pourrait financer les États. Eh bien, malgré la teneur expresse des dispositions des traités, eh bien, le Conseil européen a décidé de passer outre cela et d'utiliser la procédure simplifiée pour faire entrer le MES dans l'ordre juridique de l'Union. Alors... Concernant le MES, eh bien, effectivement, on mesure effectivement la perfidie des dirigeants à l'occasion du traité, puisque cette initiative a été soumise à l'adoption, en toute discrétion et contrairement aux prescriptions, à l'adoption par les 28 chefs d'État, alors que normalement, il aurait fallu réunir une convention, établir un mandat pour une conférence représentant les gouvernements des États membres, et puis ensuite
le Parlement aurait dû se prononcer et ensuite une modification entre en vigueur après la ratification. Alors là, c'est pas, il n'y a eu aucune conférence des représentants de réunis, c'est uniquement le Conseil européen qui a pris la décision tout seul de créer ce MES et de l'introduire dans l'ordre juridique en faisant ratifier le tout par les parlements nationaux qui ne s'y sont absolument pas opposés. Hein. Il faut quand même, j'insiste parce que c'est quand même quelque chose démocratiquement très grave dans la mesure où tout a été entériné par les différents parlements nationaux grâce à la discipline de vote exigée par les partis. Les citoyens contribuables sont restés dans l'ignorance totale de ce que signifiait pour eux, et je dis bien citoyens et contribuables, les deux, parce qu'il n'y a pas que les impôts directs qui sont en cause, dans l'ignorance totale des tenants des aboutissants de cette aventure qu'ils devront financer intégralement. Alors, si ça ne s'appelle pas de la collusion d'intérêts, je ne sais pas exactement ce que ce terme voudrait dire. Alors, pour la modification des traités constitutifs, la procédure ordinaire, elle est difficile à réunir, et je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous, l'exemple du traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne a fini par être ratifié, mais il n'a pas été ratifié dans les mêmes termes par tout le monde, puisque l'Irlande a bénéficié d'un traitement de faveur et il n'a pas ratifié le même texte que les autres pays. D'autre part, ce texte a été ratifié au prix d'une forfaiture en France, puisque vous savez que la Constitution européenne a été rejetée par référendum par 55% des Français en 2005, le 1er juin 2005, et que le traité de Lisbonne a été ratifié par le Parlement réuni en Congrès à l'initiative du président de la République en février 2007. Donc, et il faut que je vous dise quand même que le traité de Lisbonne, c'est quasiment la copie conforme. La Constitution européenne à peine remodelée. Formellement, ça a un peu changé, mais le fond du problème est resté exactement le même. Alors, sur la modification des traités constitutifs, eh bien, plusieurs remarques. La première, c'est que les règles inscrites dans les traités ne sont pas respectées. La règle selon laquelle les États doivent ratifier les traités dans les mêmes termes est battue en brèche. Quand ça les arrange, c'est pas grave, on passe outre, c'est pas important. La procédure simplifiée a été utilisée de façon abusive dans un cas d'accroissement des compétences de l'Union européenne, alors que les traités s'y opposaient expressément. La Banque centrale européenne va avoir le droit de racheter les obligations d'État, alors que les traités s'opposent au financement des institutions publiques. Il commence à être envisagé, il faut aussi mentionner ça qui est très important, il commence à être envisagé de déroger aux règles expresses des traités de façon à accepter qu'un État sorte de la zone euro sans sortir de l'Union européenne. Alors ils envisagent d'utiliser au passage un article, c'est l'article 300, je sais plus, 352 je crois, mais de mémoire je suis pas complètement sûre de moi. Mais enfin, c'est un article assez obscur des traités pour autoriser une sortie de la zone euro qui ne passerait pas par une sortie de l'Union européenne. Donc la pratique des institutions européennes confirme l'abandon par les pays européens du principe de l'égalité. À quoi sert de faire des lois si on ne les applique pas et si même deux jours après les avoir faites, on passe au-delà en disant ça, finalement ça nous ennuie. Voilà, l'état de droit et les états membres de l'Union européenne. Alors, donc on vient de voir, pour ce qui concerne les procédures de décision, qu'en était-il pour la modification des traités constitutifs? J'ai oublié de vous dire, il fallait la règle de l'unanimité. Hein, on l'avait vu au début, donc ça ne paraît pas très grave. Alors, en matière de négociation de nouveaux traités, ce ne sont pas les mêmes articles qui s'appliquent, ce sont les articles 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'initiative appartient à la Commission et le Conseil conclut l'accord après approbation parlementaire. Alors, là, il faut revenir un peu sur cette question-là, parce que la Commission propose des recommandations, le Conseil... C'est pas le Conseil européen, c'est pas la réunion des 28 chefs d'État, c'est le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire l'ensemble des gouvernements des États membres, qui est, vous savez, la deuxième chambre du pouvoir législatif, qui autorise la Commission à mener les négociations.
Alors, une fois que les négociations sont menées, le Conseil, donc la deuxième chambre de pouvoir législatif, a la possibilité de conclure l'accord. Conclure l'accord après approbation parlementaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a deux cas de figure. Soit l'accord qui a été négocié relève de la compétence partagée entre l'Union européenne et les États membres, soit l'accord relève de la compétence exclusive de l'Union européenne. Si l'accord relève ne concerne que des domaines qui sont de la compétence exclusive de l'Union européenne, et bien les parlements nationaux ne seront pas concernés. On ne demandera pas la ratification par les parlements nationaux de ces traités. Seule l'approbation du Parlement européen suffira. Par contre, si les traités concernent des compétences partagées, eh bien, dans ces cas-là, la ratification par les parlements des 28 États membres sera nécessaire pour la mise en application de ce nouveau traité. Alors, une incertitude concernant tous les traités de libre-échange actuellement négociés. Vous savez qu'il y a le TAFTA, il y a le CETA, il y a le TISA. Le TAFTA, le CETA, TISA, etc. Sont négociés dans le plus grand secret. La question est de savoir si il s'agit de compétences partagées ou de compétences exclusives de l'Union européenne. Eh bien, comme on a très peu d'informations sur ces négociations, on ne peut pas avoir de certitude. Néanmoins, il semblerait que les 10 accords portent à la fois sur des domaines de compétences partagées et de compétences exclusives, ce qui signifierait que, au moins partiellement, ces accords devraient passer en ratification devant les parlements nationaux. Mais partiellement, ça veut dire que peut-être que le TAFTA, certaines parties du TAFTA seront ratifiées uniquement par le Parlement européen. Excusez-moi, Marcel Apouet. Il pourrait dire, chacun des nouveaux traités pourrait être divisé en deux selon qu'ils sont partagés ou pas. Donc le Parlement européen se prononcerait et les parlements nationaux se prononceraient sur une autre partie. Alors, je voudrais revenir un peu sur le secret des négociations des différents accords en cours. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le 3 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt sur un arrêt qui s'appelle SWIFT, à propos de SWIFT, qui impose à la Commission de permettre un accès total ou partiel aux documents de négociation internationale aux citoyens de l'Union européenne et leurs représentants politiques élus au Parlement européen. Donc la Cour de justice impose à la Commission de publier au moins auprès du Parlement européen l'état des négociations en cours. Ça annule le stratagème de la Commission qui consistait à refuser l'accès de ces informations en arguant d'hypothétiques dommages résultant de la diffusion d'informations de négociations en cours. Alors, le CETA, le 13 août 2014, une chaîne de télévision allemande a publié une version quasi finale du traité qui est restée pour l'instant confidentielle. En France, nous n'avons entendu parler de rien. Nous n'avons aucune information sur aucun état des négociations. Le TISA, le mandat de négociation a été donné le 18 mars 2013 à la Commission, qui n'a pas été publié. L'International des services publics a publié un rapport il soulève de très vives inquiétudes concernant le maintien des services publics, évidemment. Vous savez que le TISA, c'est le traité sur les services publics, hein. Sur les services, en fait, c'est les services. Et enfin, le TAFTA. Alors, le mandat de négociation a été validé le 14 juin 2013. Il n'a été publié que le 8 octobre 2014. Voilà. Le 27 février 2014, une version fuitée, datée du 2 juillet, est sortie dans les journaux allemands. On est bien en Allemagne. Le 7 janvier 2015, évidemment, suite à un arrêt de la Cour de justice, suite à l'arrêt SWIFT la Commission européenne a publié en anglais, pour la première fois, en anglais, pas dans les différentes langues de tous les États membres, hein, 8 textes liés au TAFTA. Ces textes concernent la concurrence, la sécurité alimentaire, santé des animaux et des végétaux, thématiques douanières, obstacles techniques aux échanges et les petites et moyennes entreprises, règlement des différends entre gouvernements. Donc, les traités de libre-échange, il faut savoir qu'ils sont historiquement utilisés par les États-Unis d'Amérique comme arme d'annexion des États.
le libre-échange, je vais vous citer, c'est Monsieur Asselineau qui a trouvé ça, mais c'est vraiment trop édifiant pour ne pas le citer. C'est tiré d'un livre qui s'appelle « Hors des griffes de l'aigle, quatre siècles de résistance canadienne à l'expansionnisme américain ». Et vous avez un agent secret des États-Unis d'Amérique qui s'appelle Isaac Andrew, qui publie un rapport au département d'État le 13 mai 1854, et je vais vous citer. Dans le but d'aider les mouvements partisans de l'annexion et du libre-échange au Canada, j'ai versé 5 000 $ à un rédacteur de journal, 5 000 $ à un procureur général, 5 000 $ à un inspecteur général et 15 000 $ à un député de l'Assemblée du Nouveau-Brunswick. J'ai pris par conséquent les mesures qu'exigeait la situation au Nouveau-Brunswick afin de modérer l'opposition et de tranquilliser l'opinion publique. J'ai réussi à me rendre à tel endroit avant la fin de la session de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick et ainsi éviter tout débat sur la proposition de traité de libre-échange à l'étude ou sur toute autre mesure législative néfaste. Ça vous dit rien ? J'ai déversé plus de 100 000 $ pour convaincre d'éminentes personnalités d'appuyer l'annexion du Canada par les États-Unis ou sinon le libre-échange avec les États-Unis. Mais cette somme n'est rien en comparaison des privilèges qui vont être obtenus de façon permanente et du pouvoir et de l'influence que cela donnera à jamais à notre confédération. Voilà. Donc là, je pense que c'est clair. Je veux dire que c'est pas ce qu'on vit là a été vécu il y a plus de 100 ans par d'autres. Alors, en conclusion des négociations par l'Union européenne des nouveaux traités, eh bien, le secret des négociations est un stratagème pour enchaîner les peuples à des décisions qu'ils ne connaissent pas. Pour les nouveaux traités, mais on a vu aussi pour les modifications du traité constitutif, puisque vous avez vu que le MES s'est passé dans le plus grand silence, le silence médiatique et politique le plus absolu. Or, les gens sont vraiment enchaînés maintenant. Le secret des négociations est historiquement accompagné de corruption, je viens de vous montrer comment, publique et privée par les acteurs intéressés à ce que ce secret soit conservé. Et parmi les différents peuples européens, bizarrement, celui qui est le plus informé, c'est l'Allemagne. Les Français, nous, c'est quantité négligeable à la fois pour les hommes politiques et pour les médias, sauf lorsqu'il s'agit de passer à la caisse. Qui est la tête de... Qui c'est qui dirige ça? Voilà. En secret. C'est compliqué. J'ai montré tout à l'heure qui dirigeait les différents pouvoirs financiers de l'Union européenne. François Asselineau, alors je la pose. Pardon? C'est la question idiote qu'elle vient à François Asselineau, alors je la pose. Ah non. Moi, d'abord, je suis pas François Asselineau, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs instances. Ce sont des instances qui ne sont pas démocratiques. Les commissaires sont nommés par les représentants par les chefs d'État des 28 États membres. Les membres du pouvoir financier, je vous ai montré d'où ils venaient, beaucoup de think tanks, d'universités américaines, de nationalité allemande ou alors de grandes banques. Donc il y a un microcosme qui réunit un peu le pouvoir financier a pris le contrôle politique. Voilà, en gros, c'est ça. Puisque le pouvoir financier a mis sous dépendance les États. Donc les États, s'ils veulent avoir des subsides, sont obligés de voilà. Alors, la dernière partie de cette conférence concerne le droit dérivé. Qu'est-ce que c'est que le droit dérivé ? Eh bien, c'est le droit, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le droit qui est dérivé des traités constitutifs. Donc, c'est la mise en œuvre, la mise en musique, l'application dans le quotidien et en loi des grandes décisions stratégiques issues des traités. C'est un peu, si on veut comparer avec ce qu'on a connu en France sous les Républiques, c'est un peu comme le décret qui est chargé de mettre en application les lois. Alors, le droit dérivé, c'est-à-dire les lois de l'Union européenne, se compose de deux choses. D'une part, les règlements, d'autre part, les directives. Les règlements sont directement applicables dans les États membres. En revanche, les directives doivent être intégrées au droit de chaque pays membre, dans certains délais, par des lois de transposition. Alors, le vote du droit dérivé, on l'a vu tout à l'heure, l'initiative appartient exclusivement à la Commission européenne. Et le vote se fait selon plusieurs modalités. Alors, il y a une procédure ordinaire, qui est une procédure de codécision, dans laquelle les deux chambres du pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement et le Conseil,
se prononcent de la même façon et doivent se mettre d'accord sur les mêmes termes, sur un texte dans les mêmes termes. Ça, c'est la codécision. C'est la procédure qu'on appelle ordinaire. En revanche, pour tous les textes sensibles, eh bien, ça ne vous surprendra peut-être pas, nous tombons dans des procédures spéciales. Et alors, ces procédures spéciales, il y en a quatre. Deux associent le Parlement, mais avec un rôle dégradé par rapport à ce qu'il aurait été dans la procédure ordinaire, et deux n'associent pas du tout le Parlement. C'est pour ça que je vous ai dit que le Parlement ne votait pas toutes les lois. Alors, la procédure d'approbation, il s'agit pour le Parlement d'accepter... Alors, je vais peut-être vous donner son champ d'application. La procédure d'approbation, elle s'applique pour le budget, elle s'applique en cas d'adhésion de l'Union européenne, en cas d'adhésion d'un pays à l'Union européenne, en cas d'accord d'association, et pour l'adhésion de l'Union européenne à la Cour européenne des droits de l'homme. Elle s'applique en cas d'accord créant un cadre institutionnel spécifique, et elle s'applique pour les accords ayant des implications budgétaires notables. Alors, le Parlement accepte ou rejette en bloc l'intégralité de la proposition. Il ne peut pas, il perd son pouvoir de négociation. Donc, il se retrouve un peu, comme tout à l'heure on a dit, le peuple face à un référendum. Il accepte tout, il refuse tout. Donc, il est dans un rapport institutionnel, un rapport de force institutionnelle qui est déséquilibré. Et il statue dans ces conditions à la majorité absolue. Alors, la procédure de consultation, c'est encore différent, puisque dans ces cas-là, le Parlement doit rendre un avis, mais cet avis est facultatif. Le Conseil est libre de le suivre ou de ne pas le suivre. Alors, le Conseil, dans ces cas-là, vote soit à l'unanimité, soit à la majorité qualifiée, et la majorité qualifiée, c'est 73,9% des votes. Alors, le champ d'application, c'est la concurrence et les ententes. En matière de concurrence et entente, le Parlement n'a qu'un avis non contraignant à donner. Les deux procédures qui suivent sont des procédures législatives pour lesquelles le Parlement n'intervient à aucun titre. La première de ces deux cas de figure, c'est le Conseil adopte directement les propositions de la Commission. Alors ça, c'est en cas de tarif extérieur commun, en cas de négociation d'accords commerciaux, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec les traités de libre-échange actuellement négociés, et en matière d'autorisation de mise sur le marché des OGM. Voilà, c'est ça, je voulais... ça s'appelle l'uniformisation de la mise en application d'actes juridiques contraignants. Si on ne sait pas ce que ça veut dire, en tout cas, je peux vous dire que ça concerne l'autorisation donnée à l'application des OGM. Et le dernier cas de figure, c'est la Commission qui agit toute seule. Aucun des organes du pouvoir législatif, ni le Parlement, ni le Conseil, n'est consulté. Là, c'est en cas d'un travailleur... pour savoir dans quelles conditions un travailleur étranger peut rester sur le territoire d'un pays membre après y avoir occupé un emploi. Mais c'est surtout... que la Commission doit veiller à interdire le patriotisme économique. L'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que la Commission veille à ce que les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités. C'est pour ça que vous vous souvenez, quand il y a eu l'affaire Alstom, vous avez le ministre... Montebourg, qui a un peu roulé dans les brancards en disant non, on va protéger notre patrimoine, etc. La Commission l'avait tout de suite remis d'équerre en disant on vous met en garde contre une éventuelle tentative protectionniste. Et bien c'est en vertu de cet article-là. Voilà, donc le patriotisme économique dans les traités européens n'est pas possible. Il faut quand même bien garder ça en tête parce que les médias, il y a un discours ambiant qui brouille complètement les cartes en faisant croire que nous sommes encore en capacité, les hommes politiques pour qui nous avons voté sont encore en capacité d'agir sur l'essentiel de l'économie. Mais c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Je pense même que certains ministres ne connaissent pas les traités européens, mais ils sont liés par eux quand même. Parce que Montebourg n'a pas... Ou alors il a une duplicité énorme, ou alors il est ignorant. Voilà. Et quand même se dire que les hommes politiques pour qui on vote sont ignorants, c'est troublant. Enfin, il y a quelque chose qui interpelle. Quand même. Ils sont conseillés. Ils mais c'est pour ça que c'est pas crédible. On ne peut pas y croire. Logiquement, on a du mal à concevoir ça. Hein.
Alors, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que les directives européennes doivent être transposées dans certains délais. Eh bien, si ces délais ne sont pas respectés, on a vu tout à l'heure qu'à partir de 2005, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé de durcir les sanctions et d'appliquer des sanctions financières. Eh bien, c'est pour ça que vous avez en France, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, une quantité de lois dites de modernisation. Parce que toutes les lois françaises dites de modernisation sont en réalité des lois de transposition. Mais ce n'est pas tout, puisque parfois, les lois de transposition ne se présentent pas sous forme de loi de modernisation. Je vais vous donner un exemple, un tout petit exemple. La directive service du 12 décembre 2006, le délai de transposition, c'était le 28 décembre 2009. Eh bien, cette directive a généré en France trois lois différentes. Elle a généré la loi dite de modernisation de l'économie du 4 août 2008. Donc là, ça se présente comme une loi de modernisation. Elle a généré la loi portant réforme de l'hôpital du 21 juillet 2009. Il n'y a pas écrit loi de modernisation. Et pourtant, c'est une loi de transposition de la directive. Et elle a généré la loi de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009. Là, ça se présente comme une loi de modernisation, donc on peut transposer loi de transposition. Donc la loi d'airain de la transposition a pour conséquence de vider de sa substance l'état de droit et surtout la séparation des pouvoirs. Pourquoi ? Parce que cette contrainte budgétaire énorme, puisque les amendes sont colossales, fait que la plupart des lois de transposition arrivent à être transposées par des ordonnances. Donc en fait, c'est une délégation parlementaire. Normalement, c'est à durée limitée, mais maintenant, c'est des durées qui deviennent extensives à l'infini, par lesquelles le Parlement autorise directement le gouvernement à transposer par ordonnance des directives européennes. On estime aujourd'hui que plus de 80% du droit qui s'applique en France, c'est du droit issu de l'Union européenne. Donc la formalisation des institutions se transforme en coquille vide dans la mesure où les lois, tout ce qui s'applique en France, le système même de fonctionnement interne du pays a basculé dans le sens des grandes directives, des grandes directions pardon, imposées par les traités européens. Alors, je voudrais, voilà, donc vous avez les directives, loi française, et le gendarme qui est la Cour de justice, et les amendes qui tombent dans le budget européen. Les amendes pour non-transposition qui vont abonder le budget européen. Alors je voudrais maintenant revenir un petit peu sur tout ce qui est réglementation d'OGM, parce que c'est assez compliqué, il y a eu des rebondissements récents, et avec la perspective du grand marché transatlantique qui se profile, les différents traités de libre-échange, je pense qu'il y a de quoi approfondir un petit peu. Donc, la réglementation des OGM, c'est une directive du Conseil du 14 décembre 1998. C'est un règlement de 1997, un règlement de 2000. C'est la possibilité pour les régions d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire en confirmant la demande du comité des régions. Ça date de juillet 2011. Un affaiblissement du pouvoir étatique, puisqu'on a donné la possibilité aux régions de pouvoir s'opposer à des cultures d'OGM sur leur territoire. En mars 2014, il y a eu une proposition de modification des textes par la Commission et c'est transformé en directive de janvier 2015. Aujourd'hui, il a été acté et ça a été présenté comme ça, en disant qu'un pays de l'Union, ça a été une grande victoire, un pays de l'Union européenne peut s'opposer, même si une autorisation a été délivrée pour l'ensemble des pays membres, eh bien un pays pourra, sur son territoire, s'opposer à la culture d'OGM. Mais en réalité, le pays qui voudra s'y opposer ne pourra s'y opposer que pour des raisons qui ne sont autres, des raisons autres que sanitaires et environnementales. Pour des raisons de motifs de politique agricole, d'aménagement du territoire ou de conséquences socio-économiques.
Alors, la France et les OGM, vous savez que la France a essayé de lutter et a résisté longtemps à l'invasion des OGM sur son territoire. Mais malheureusement, la France a perdu cette bataille comme elle a perdu celle d'avant. Elle a perdu la bataille des finances, elle a perdu la bataille de la politique, elle a perdu la bataille de l'économie et elle a perdu la bataille sanitaire. L'histoire d'une lutte perdue des institutions étatiques contre l'invasion incontrôlée des OGM. Alors la directive de 2001, ce qui a imposé les OGM, n'a pas été transposée. La France a tardé terriblement à la transposer. Elle a été condamnée une première fois par la Cour de justice en 2004. Mais c'était une condamnation qui n'était pas une condamnation financière, il n'y a pas eu de sanctions pécuniaires. En 2006, la Commission a ressaisi la Cour, et vous savez qu'entre-temps, la Cour avait décidé de durcir sa position et d'appliquer une politique de sanctions pécuniaires contre les États récalcitrants à transposer les directives. Eh bien, en effet, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée le 9 décembre 2008 pour une amende de 10 millions d'euros contre la France, qui entre-temps avait transposé la directive. Maintenant, les organes du pouvoir exécutif transposent court-circuitent les discussions au sein du Parlement en se faisant autoriser à transposer sous forme d'ordonnance la plupart des directives européennes. Le 24 septembre 2012, le Conseil d'État a dénié aux maires toute compétence pour édicter une réglementation locale sur les OGM. Donc vous voyez, les institutions profondes de la France essayent de maintenir un État central avec un peu de cohésion. Refusent de donner trop de marge de manœuvre aux institutions locales. Et alors que nous avons vu tout à l'heure que c'est en 2011, je crois, c'est la politique d'avant. Oui, en 2011, le comité des régions a été autorisé, les régions ont été autorisées à s'opposer elles-mêmes sur leur territoire à la culture d'OGM. Je voulais aussi vous signaler que la dernière modification de directive européenne sur les OGM qui a autorisé un État membre soi-disant à s'opposer sur son territoire à la culture d'OGM alors que c'était autorisé pour tout le monde, il y a eu des manifestations quand même au Parlement européen et en particulier il y a des députés européens qui se sont émus en disant que concrètement les États qui souhaitent bannir les OGM devront négocier avec les semenciers sous la houlette de la Commission pour leur demander d'être retirés du périmètre de culture proposé par les entreprises. Si la firme refuse, l'État membre pourra néanmoins interdire de manière unilatérale l'OGM. D'accord, mais certains États anti-OGM vont se retrouver dans une position schizophrénique, puisque prévient ce député, puisque ils pourront interdire un OGM sur leur territoire, mais en échange, la Commission européenne entend qu'ils ne s'opposent pas à l'utilisation de cet OGM partout ailleurs. Donc ça va être l'objet de tractations assez malsaines entre, d'accord, ok, vous acceptez que ça ne marche pas pour nous, mais en revanche, je vous autorise à le faire chez les autres. En gros, c'est ça. D'autre part, c'est le député français qui s'est ému en disant que le régime qui sera instauré par le grand marché transatlantique, une fois que toutes les négociations en cours seront ratifiées, feront que les États récalcitrants, dans ce cas de figure, pourront être condamnés à de lourdes amendes pour atteinte aux investissements des entreprises. Voilà. Je vous donne une information supplémentaire, c'est que le 30 novembre 2010, l'Académie pontificale donne son feu vert aux plantes génétiquement modifiées. Ça vaut ce que ça vaut. Voilà, alors vous avez la France qui résiste, qui transpose pas la directive, qui transpose pas les directives en matière d'OGM, qui se fait punir. Elle joue la montre, mais elle n'a pas gagné dans cette lutte de contre la montre, puisque la Cour de justice a changé de politique en 2005 en sanctionnant pécuniairement. Alors, conclure comme ça sur qui prend les décisions au sein de l'Union européenne n'est pas satisfaisant, puisque on l'a vu tout à l'heure, le poids le plus important dans la prise de décisions et de directives, autant au niveau d'initiative que au niveau du vote, eh bien, c'est les lobbies, puisqu'on a vu que Bruxelles, c'est le plus grand centre de lobby de lobbyistes au monde, après Washington, ou parallèle à Washington. La capitale mondiale du lobbyisme. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, 30 000 lobbyistes à Bruxelles.
plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, et surtout, on l'a vu, tous les immeubles à 1 km, situés à 1 km autour de la Commission, autour du Parlement et du Conseil, sont investis par des membres du lobby et du droit et du monde des affaires. Les décisions européennes se prennent en interactif permanente avec les lobbies, en interaction permanente avec les lobbies. Donc l'affairisme des institutions européennes est élevé au rang de quasi-religion par les traités européens. Cette tendance lourde sera évidemment confortée par la signature des futurs traités de libre-échange, puisque ensuite ils pourront même attaquer les États. Alors, le fonctionnement de l'Union européenne, c'est une vaste usine à gaz, comme vous avez peut-être pu constater, puisque tout est très compliqué, tout est très opaque et tout est très secret, finalement. La cooptation... Pardon ? C'est l'embrouille à mini total. Quoi. Oui, mais c'est fait compliqué. Pour que les gens en fait, ne soient pas au courant des conséquences et des décisions qui sont prises pour eux. Découragés d'essayer de comprendre. Alors, en conclusion, je vous propose de faire une petite synthèse de ce qu'est l'Union européenne, d'analyser un peu la France et les Français face à l'Union européenne, et d'essayer de décortiquer les raisons de l'avènement de l'Union européenne en France, alors qu'on a vu qu'on a quand même beaucoup perdu et on a encore beaucoup à perdre avec toutes ces institutions. Alors en synthèse, pour faire une synthèse globale, c'est que l'Union européenne revient sur tous les acquis qui ont fait la grandeur de l'Occident. C'est la fin du principe médiéval de balance des pouvoirs qui a été théorisé par John Locke à la fin du XVIIe siècle. C'est la fin de la séparation des pouvoirs, qui a été théorisée par Montesquieu, fin 17e, début 18e. C'est la fin de la protection des individus contre les corps constitués. C'est la fin de la notion de souveraineté populaire issue de la Révolution française. Et c'est le passage d'une souveraineté populaire à une souveraineté plutocratique, dans laquelle les institutions sont garantes des intérêts privés, et non pas du bien commun, de l'intérêt commun. Ce système sera à son apogée lorsque les traités de libre-échange parce que les traités de libre-échange actuellement en négociation seront ratifiés et mis intégrés à l'ordre juridique des États membres et de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est la disparition assumée des notions de république et de nation. Les détenteurs du pouvoir ne l'exercent plus en vertu d'un mandat conféré par le peuple, mais ou par le corps social, qui a pour vocation finalement d'être disloqué. L'Union européenne, c'est la construction, en toute discrétion et sans débat public, d'une dictature. Alors je précise ce que j'entends par là, parce que les termes sont forts, évidemment, mais une dictature, c'est un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par un groupe de personnes qui l'exerce sans contrôle, de façon autoritaire. Est-ce que ça correspond, selon vous, à ce que je viens de décrire pendant 2 heures ? Alors, en imposant le traité de Lisbonne, ou le MES, qui a fusionné avec le FESF, d'ailleurs j'ai écrit FESB, c'est une faute, les élus du peuple français, en accord avec les détenteurs du pouvoir exécutif, ont trahi leur mandat populaire, puisqu'ils ont ratifié le MES sans informer aucunement ni les citoyens ni les contribuables des contraintes financières que ça imposerait aux citoyens français. Ils ont violé la possibilité pour les citoyens de constater par eux-mêmes la nécessité de la contribution publique et de demander des comptes à tout agent public de son administration, comme le préconisent les articles 14 et 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Les contribuables français financent ces institutions qui œuvrent à la disparition de la nation et de l'intérêt public. Les Français ne vivent plus sous un régime de représentation populaire, mais sous un régime de représentation, sous un régime qu'on peut appeler de corporation, c'est le régime qui est en cours aux États-Unis d'Amérique, et dans lesquels les multinationales font les lois. C'est un régime plutocratique. Alors, les Français face à l'UE. Eh bien, depuis l'instauration des traités de Maastricht et de Lisbonne, on inclut également le MES là-dedans, les Français ne vivent plus de facto sous le régime de la Ve République, mais sous celui de l'Union européenne, qui n'est ni une république ni une démocratie. Tout discours sur l'avènement d'une 6e république, c'est une vaste plaisanterie doublée d'une fumisterie. Parce que la république n'a plus lieu d'être en Union européenne. La république n'a pas son mot à dire. La 5e république a été vidée de sa substance, et la 6e république serait un mort-né, une coquille vide dès le départ. Le changement de régime politique s'est opéré en interne grâce à la pratique du coup d'État permanent. Vous savez que
François Mitterrand avait écrit dans les années, à la fin des années 60, je crois, dans les années 60, un bouquin pour s'opposer à Charles de Gaulle, en prétendant que Charles de Gaulle pratiquait le coup d'État permanent. Mais on peut dire que le coup d'État permanent, nous, on l'a vu mis en œuvre. Et le coup d'État permanent a permis aux dirigeants français d'installer l'Union européenne et d'installer les multinationales et la plutocratie sur le territoire français. Alors, que penser de la représentation populaire ? Alors, plusieurs choses. Déjà, je voulais signaler au début de cette conférence, il n'y a pas de peuple européen, puisque chaque peuple européen, vous avez vu que l'Union européenne, c'est 28 États, certains viennent des anciens pays de l'Est, d'autres des pays de l'Ouest. Tous ces États n'ont pas du tout la même histoire politique, n'ont pas la même histoire économique, n'ont pas la même histoire sociale, n'ont pas la même conception de la vie en société. Donc, une représentation de ce magma informe n'a pas de sens de légitimité politique, ne peut pas avoir de légitimité politique, puisque les gens se prononcent pour ou contre avec des référentiels complètement différents. Voilà, on se prononce pour ou contre une décision, on va telle ou telle chose, mais avec des référentiels complètement différents. Alors, c'est spécifique à la représentation européenne. Maintenant, la représentation populaire, notamment européenne, mais aussi en général populaire, n'est pas vraiment choisie par le peuple. Parce que le vote, quand on vote pour des députés ou pour des sénateurs ou pour des députés européens, eh bien, on adoube le discours officiel d'un parti beaucoup plus qu'on n'investit un homme ou une femme d'une certaine mission de défendre l'intérêt commun. On adoube un discours politique, on adoube un discours officiel d'un parti politique. Le vote des élus par le peuple ne peut pas être sanctionné a posteriori, puisque les citoyens restent la plupart du temps, dans la grande majorité des cas, tout à fait ininformés, pas informés du tout de ce qui se passe dans les instances décisionnelles, dans les instances législatives. Les Français ne savent pas quelles lois sont votées, ni quand, ni comment, ni dans quelles conditions, encore moins à Bruxelles, encore moins... au sein du Parlement européen que au sein des instances nationales, mais c'est déjà vrai un peu dans les instances nationales. L'institutionnalisation politique du lobbying a engendré une corruption permanente et irréductible des instances législatives qui ne représentent plus un intérêt public, mais des intérêts privés, en plus des intérêts de leur parti. Souvent, ça se mélange, d'ailleurs. Voilà. L'avènement de l'Union européenne en France n'est pas le fruit du hasard, mais d'une collaboration entre la plutocratie occidentale et les tenants du pouvoir exécutif et législatif français. Quand je dis les tenants du pouvoir exécutif et législatif français, derrière ça, il y a les partis politiques. Le système politique hiérarchique des partis est ici en cause parce que la corruption, quand vous avez une structure pyramidale, il suffit de corrompre le sommet pour que tout soit... infecté, si je puis dire. Il est plus facile de corrompre une organisation pyramidale qu'une organisation horizontale. Et les représentants du peuple ne représentent pas le peuple, mais représentent les partis pour lesquels, au sein duquel ils se sont présentés devant le peuple pour élection. La Constitution française, qui permet l'avènement institutionnel de l'Union européenne, n'est plus la Constitution de la Ve République. En réalité, il n'existe plus de constitution en France, si l'on en croit l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est le préambule de la Constitution de 1958 et qui est selon lequel toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Donc il est clair, en France, nous n'avons plus de constitution. La disparition en France de la Constitution, de la République et de la démocratie est à la fois la cause et la conséquence de l'avènement de l'Union européenne. Voilà, ça touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté patiemment cette longue conférence, certainement un peu ennuyeuse, technique, mais... Oui, alors là, je sais que les images ne sont pas très claires, mais je pense que vous devinez quand même ce petit bonhomme enchaîné, non ? Voilà. Merci.
vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Pas de questions ? Est-ce que ça vous a semblé clair déjà ? Est-ce que... C'est-à-dire que les cibles, vous voyez, le MVS, ces machins-là, faut bien se rappeler ce que c'est. Mécanisme européen de stabilité, oui. Mais voilà. ça fait partie de la stratégie de l'Union européenne de mettre en cible. Comme ça, on ne comprend plus rien. Voilà. Alors, vous avez dit MES. Mécanisme européen de stabilité. Ça, j'ai tout compris. Non, mais c'est un traité, c'est l'institution d'un nouvel établissement financier qui peut lever des fonds à hauteur de 700 milliards sur les marchés financiers. Alors c'est pareil, les gens à la tête, on ne sait pas qui c'est. Ah si, on sait très bien qui c'est. C'est Klaus Regling, c'est un Allemand. Ce MES siège à Luxembourg et il est capitalisé essentiellement par les Allemands et par les Français. Voilà. La France est... Il est tout seul à la tête. Oui, enfin, il doit y avoir un directoire ou quelque chose comme ça, mais l'essentiel, c'est que la tête soit allemande. D'accord. Moi, j'ai une question sur le fonctionnement de la justice arbitrale. Donc, vous disiez que c'est une justice qui revient très cher, puisque, effectivement, donc, il faut payer. Oui, parce que ce sont les parties en défense et en attaque qui financent en fait les arbitres. Oui, mais les arbitres. Voilà, mais c'est pour ça que je voudrais voir un peu plus clair, parce que normalement c'est 3 personnes, c'est ça ? Ça dépend, je crois que... Alors je ne suis pas spécialiste des cours arbitrales, je ne pourrais pas vous répondre, mais parce que c'est bien codifié, il y a tout... Parce que la question que je me posais, c'est donc c'est une multinationale qui attaque un État, et si... dans l'affaire Tapie, il me semble qu'ils étaient 3, hein. Je suis pas sûre. Oui, alors ça c'est... Si par exemple, il y en a 2 pour la multinationale et 1 pour l'État, c'est sûr que le résultat... Alors les arbitres, je sais pas comment ils seront choisis, ce mécanisme existe déjà au sein de l'ALENA. C'est un traité de libre-échange qui a été conclu entre le Mexique et les États-Unis, le Canada aussi, je crois, non ? Oui. Pas le Canada. Oui, je crois que le Canada fait partie de l'ALENA. Eh bien, effectivement, les États ont déjà été condamnés. Donc, il faudrait que je regarde d'un peu plus près comment ça s'est passé. Je ne maîtrise pas bien ces mécanismes-là. De toute façon, quoi qu'il en soit, la Cour en elle-même est chargée de défendre les investissements. Donc, sa mission, au départ, est un peu biaisée. Elle n'est pas là pour défendre l'intérêt des citoyens ou leur santé. Elle est là... par hypothèse, pour défendre les investissements que les entreprises ont faits sur des territoires. Donc, dès le départ, il y a un déséquilibre entre... dans la mission même de la Cour, il y a un déséquilibre entre les intérêts en présence, par hypothèse. Après, que les arbitres soient acquis ou pas à la cause, ça, effectivement, ça a son importance également. Mais quoi qu'il en soit, la mission, au départ, est claire. La mission est favorable à l'entreprise. Puisqu'elle est là, ces cours sont là pour défendre leurs investissements. Ils ne sont pas là pour défendre l'intérêt du citoyen ou de l'intérêt public. Est-ce qu'on a les chiffres des amendes payées par les différents États, sauf la France, par exemple, qui ont été payées, qu'on sait que c'était payé par les mécanismes de règlement des différends? Non, par les amendes pour non-transcription. Oui, là, je l'avais donné. Ça fait 10 millions d'euros pour la France qui n'a pas transposé la première directive sur les OGM. Mais est-ce qu'on a la preuve écrite sur un document qu'on l'a bien payé? Parce que j'entends souvent dire, ces amendes, on laisse traîner, au final, on les paye jamais. C'est quand même la Commission qui laisse traîner les dettes sur son bureau, mais un jour, il faut les payer quand même. Mais de toute façon, ça, parce qu'une fois que l'amende est faite, ça a dû... passé en budget de l'État. C'était en 2007, je crois. Donc, ça a dû passer en budget 2007 ou 2008. Oui, ça a dû apparaître en budget, dans la loi de finances. La France a été condamnée aussi. Enfin, là, c'était pas la France, c'était France Télécom qui a été condamnée pour aide d'État. Et là, c'était 1,02 milliard. Pour aide d'État, c'était dans le cadre d'un régime de faveur dont elle bénéficiait en matière de taxes professionnelles. Et c'est d'ailleurs cette condamnation qui a engendré la disparition de la taxe professionnelle, sa réforme et sa disparition. C'était la garde. Ah oui, c'était la garde.
C'était... Oui, c'est... Je me souviens plus que c'est possible. Mais par contre, bon, c'est sûr que ça, c'est... Ça fait partie des choses qui font que les instances, les institutions profondes des États sont vidées de leur sens profond, sont vidées de leur substance par le biais de la politique européenne et par le biais du programme politique européen qui s'insinue horizontalement et non pas verticalement. Ça ferait peur à tout le monde, mais là, c'est insidieux, mais c'est les lois européennes aujourd'hui qui s'appliquent en France. La France n'est plus la France. La France... techniquement, n'existe plus. Et je vous ai montré qu'elle n'avait plus de constitution. Officiellement, on peut considérer qu'elle n'a pas de constitution, puisque la Déclaration européenne des droits de l'homme explique très clairement que quand il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de constitution. Donc, c'est aussi simple que ça. On pourrait même être un peu, s'amuser un peu en disant il n'y a pas non plus de constitution européenne, donc les traités, allez hop, on s'en débarrasse. Mais là, c'est du rapport de force économique, hein. Mais on n'a pas les moyens de... C'est-à-dire que, de toute façon, les textes, c'est eux qui les font, ils ne les respectent pas non plus. Donc, oui. On a abandonné l'état de droit. Il faut bien se rendre compte de ça en Europe et en Occident. L'état de droit a disparu. Puisque les gens qui font les lois, c'est les lois pour les autres, mais eux, dès que ça les arrange de ne pas les respecter, ils passent au travers. Donc, c'est pas ça l'état de droit. L'état de droit, c'est la loi existe et vous faites avec. On a de l'affaire à Alstom. Moi, j'ai eu des révélations par Eric Dénessé. Oui, oui, je sais, j'ai vu. Donc, ce sera un chantage américain qui menaçait de mettre des dirigeants en justice de cette entreprise. Mmh. Oui, c'est quand même énorme, un chantage américain. Donc, oui, alors là, si ça vous intéresse, dans la conférence de la semaine prochaine, je vais un peu m'attarder sur ce genre de choses. Effectivement. Ouais, c'est le département de la justice américaine qui s'insinue dans les affaires mondiales de toutes les entreprises. Ouais. Donc, M. Dénessé a remis un rapport à Hollande, parce que dans une émission, j'ai écouté par un ami qui était panisé cette émission, qui m'a téléphoné, il y a des affaires d'espionnage économique, des accords bilatéraux d'immunité des Américains, qui s'appelle l'ABI. Ah, oui, donc, j'ai remis ça à un conseiller en stratégie, il m'a dit qu'il était effaré. C'est des lois extraterritoriales, supra-juridiques américaines. Ah, ben ça, si vous avez des informations à donner, ça m'intéresse. Ça, parce quelqu'un que... m'a dit j'ai effaré, j'ai lu dans un livre. Oui. J'étais effaré parce que j'ai lu. Oui, c'est donc, les Américains amnistient leurs ressortissants. C'est pas incroyable dans les pays. Ouais. Et après, ils font des menaces. Ouais. Ah, ben c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont viré Peugeot et Renault d'Iran pour aller s'installer eux-mêmes à la place. Ah, hein, comme Alcatel et Lucent. Bah, la BNP, oui, elle a été condamnée. C'était quoi, 10 millions combien c'était c'est des milliards, c'est ça. Des milliards d'amende. Alcatel, c'est encore pire. Alcatel. Oui, non, mais les Américains s'érigent en gendarmes. Non, pas justicier, en gendarmes du monde pour s'imposer. Mais enfin, il faut savoir que. Aux États-Unis d'Amérique, c'est comme chez nous, c'est pas le peuple qui a le pouvoir. Bon, le peuple a perdu le pouvoir en 1913 lorsque la Fed a été instaurée. Hein. Donc c'est bien une plutocratie autant chez eux que chez nous. D'ailleurs, c'est eux qui nous l'ont importé. Qui nous ont exporté chez nous. Et nous l'avons importé. Oui, mais en fait, ils veulent le gouvernement mondial. Hein, parce que c'est ce que j'explique dans ma conférence de la semaine prochaine. Vous avez tout ça, c'est la méthode des petits pas. Vous avez l'OMC, vous avez d'abord effectivement le GATT en 44. Vous avez l'OMC, vous avez l'Union européenne, vous avez le grand marché transatlantique et en parallèle le grand marché transpacifique parce qu'on l'oublie trop souvent. Mais c'est la réédition du marché transatlantique de l'autre côté. Et à la fin, vous avez le gouvernement mondial. Et c'est ça l'objectif de cette autocratie, c'est de prendre le pouvoir mondial. Hein. Et c'est de le prendre officiellement, parce qu'officieusement, ils l'ont déjà en partie. Hein. En très très grosse partie, ils maîtrisent très bien le système des banques centrales. Voilà. Pour les règles concernant les OGM, donc les autorisations, c'est les OGM de plantes ou tous les OGM en règle générale? Je pense que c'est tous les OGM. Je n'ai pas décortiqué complètement les directives, mais je pense que ça concerne tous les OGM. Mais ça, on peut vérifier en lisant la directive. On peut aller chercher, c'est assez simple à faire. Mais je vous avoue, je n'ai pas posé davantage. Et si on se bat pour interdire de l'autorisation de cultiver les OGM sur le territoire français, dans tous les cas, on n'a pas le droit de refuser des importations de produits contenant des OGM.
Oui, en plus, effectivement. Oui, oui. Là, c'est uniquement la culture sur son territoire. Oui, oui. Alors après, on a le droit ou pas le droit. Là, il faudrait que j'aille vraiment. Je crois qu'il y a deux maïs OGM qui sont autorisés en Europe. Donc, oui, aujourd'hui. C'est les deux seuls qu'on aurait le droit d'importer ou de cultiver normalement. Ah, d'importer aussi? Oui. Non, on peut ne pas pouvoir les cultiver chez soi, mais avoir l'obligation de les importer, c'est ça, en fait. Pour servir dans le sens alimentaire. Oui, oui, je pense que, oui, j'ai déjà lu ça, que c'est pas parce qu'on ne cultive pas chez soi qu'on va pas le retrouver dans les plats cuisiniers ou, effectivement. Ça sent bien à interdire les graines naturelles, donc, machin, on va pas. Ah oui, ça, ils veulent, oui, ça, ils veulent interdire. Ah, oui. Bah oui, parce que business, c'est business, hein. Tout ce qui est naturel, c'est pas bon pour le business. Ouais, on demande du monde, là. Ah bah si, si, on est, bienvenue à Gattaca. C'est pas je peux vous poser une question idiote encore. Alors, est-ce que l'article 50 peut être cassé ici Ah non, il ne peut pas être cassé. Cassé, ça veut dire modification des traités constitutifs. Ça veut dire que les 28 se mettent d'accord pour supprimer cet article 50. Ah bah, s'ils se mettent tous d'accord pour le supprimer, oui. Mais c'est une modification des traités. C'est pas cassé. Cassé, ça sous-entend que c'est un organe enfin, de... c'est la justice qui intervient. Là, c'est pas la justice, il n'y a aucun voilà, pouvoir d'action sur la substance des traités, en fait. Hein. Voilà, non, c'est ça. Non, mais d'ici là, ils peuvent essayer de mettre les... on ne peut pas trouver une combine pour supprimer les 50-50. Bah donc, je pense que c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Hein. Les gens vont peut-être commencer à se réveiller, mais je pense que malheureusement, ils ne sont pas suffisamment informés de qui contrôle leur vie. C'est oui, mais tout est fait pour qu'on ne soit pas informé, puisque les médias sont là pour brouiller en permanence les pistes. Vous avez vu qu'ils ont fait passer le MS, personne n'a été au courant de rien. Par contre, c'est le contribuable, c'est le citoyen qui va le financer, parce que c'est pas seulement les impôts directs, c'est aussi les impôts indirects. Même les gens qui n'ont pas d'argent sont mis à contribution. C'est le citoyen vraiment qui est derrière. Comme pour les banques. Pareil, exactement. On va nous retirer l'argent d'office sur nos comptes. Oui, 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 effectivement, c'est dans les tuyaux, j'ai vu ça. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Oui, mais les gens n'ont pas les moyens de réagir parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et parce qu'en plus ils sont informés une fois que c'est trop tard. Et puis ils ne veulent pas savoir trop non plus. Et ils ne veulent pas trop savoir parce que ça veut dire qu'il faut remonter très loin pour avoir la cause et ça veut dire aussi de remettre en cause chaque individu, remettre en cause le fait qu'il ait accepté de rentrer dans ce système pendant aussi longtemps. Et c'est vrai que derrière, il y a quand même le système des partis politiques. De Gaulle détestait les partis politiques et il savait très bien pourquoi, puisque les partis politiques sont corruptibles. Il suffit de corrompre la tête pour que ça descende partout. Une fois que vous avez des consignes de vote, les gens doivent les respecter. C'est de la cuisine électorale, quoi. Oui, mais c'est de la cuisine pas électorale, c'est de la cuisine de politique, là. C'est... Comme il suffit d'avoir les 3/5 des députés réunis en congrès à Versailles et puis pour se passer. Oui, mais les 3/5, on pourrait imaginer que les 3/5 des députés aient. Non, mais on pourrait imaginer que les 3/5 des députés aient à cœur de défendre l'avenir de leurs enfants et l'intérêt commun. Mais là, c'est pas le cas. Ils défendent quoi? Ils défendent l'intérêt de leur parti et ils défendent l'intérêt des lobbies qui les ont corrompus. Donc c'est ça que défendent la représentation populaire, je suis désolée, est en cause dans cette histoire. Elle a trahi, elle a fait la preuve de son côté néfaste. Ils ont trahi de nombreuses fois l'intérêt commun, de très nombreuses fois. Et les députés l'ont peut-être encore plus trahi que les sénateurs, qui sont des représentants indirects. Les sénateurs, sur bien des positions, ont été beaucoup plus... pas toujours, mais dans certains cas... Dans certains cas, les sénateurs ont été plus prudents et plus résistants que les députés qui étaient des représentants pourtant directement élus. Vous parlez du traité de Lisbonne, là? Non, je ne parle pas du traité de Lisbonne, je parle de plein de lois françaises qui sont passées, des lois scélérates, parce que là, on a l'embarras du choix. Hein. Par les temps qui courent, les lois scélérates. Là, on est encore moins. Je ne sais plus où donner de la tête. Hein. C'est énorme.